s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il est Dieu. Alléluia. Psaume. Chantez à Yahweh un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Alléluia. Chantez à Yahweh un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. D'accord? Chantez. Donc, Yahweh a fait des prodiges. Chantez, hein, pour lui un cantique nouveau. Nous chantons, non pour chanter. Nous ne chantons pas pour chanter. Nous chantons parce que Dieu, en fait, les chants, ça vous le savez déjà, les chants d'adoration, nous les chantons parce que nous expérimentons les prodiges de Dieu dans nos vies. D'accord? Quand tu chantes pour chanter, Dieu n'entend pas. En fait, il entend, mais il ne peut pas t'exaucer. Il ne peut pas agréer tes chants. D'accord? Les chants d'adoration, ça vous le savez déjà, sont, n'est-ce pas, les résultats de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Marie, Myriam, la sœur de Moïse, est la première prophétesse dans la Bible à avoir pris son tambourin et chanté. Vous savez pourquoi? Parce que les Juifs venaient de traverser, n'est-ce pas, la mer Rouge. Vous avez vu, pendant des années, on a chanté dans nos églises. Oh, on a des cahiers, des cantiques, là, c'est les ailes de la foi, là. On vient, on prend son cahier, là, tout ça. Bon, on va prendre le psaume, le chant 99. Vous savez, quand on était témoin de Jéhovah, j'étais témoin de Jéhovah aussi. On avait ces cantiques là, comme ça. Là. Vous savez, il y avait sur un banc comme ça, il pouvait y avoir 10 cantiques. Tu viens, tu prends le cantique là, et puis on te dit, voilà, on va prendre tel cantique et vous chantez. Ça ne venait pas de là. C'est de là, là. C'est pour cela qu'il n'y a pas autant de guérison dans nos vies. Parce qu'on chante pour chanter. On dit, bon, on va acclamer tout le monde. On va chanter tout le monde. Tout le monde se lève pour chanter. Mais en fait, vous chantez pourquoi? Il faut se poser les bonnes questions. Je chante pourquoi? Je n'ai pas encore expérimenté la main de Dieu dans ma vie. Je vais chanter pourquoi? Et on nous parle ici de chants, chants nouveaux. Mais regardez dans ton assemblée, là, ça fait 10 ans qu'il y avait les mêmes chants, là. 20 ans, les mêmes cantiques. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de prodiges. Ceux qui ont reçu ces chants, les chants nouveaux, là, qu'on a mis sur le livre, là, c'était des gens qui ont expérimenté des prodiges, les ailes de la foi, là. Mais eux, ils sont morts, et nous alors? On est encore en vie. Où sont les prodiges de Dieu? La dernière fois, dans ton assemblée, on a parlé d'un petit miracle, ça remonte à quand? Quelqu'un me disait, un pasteur a témoigné parce qu'il avait perdu son portable, et quelqu'un lui a offert un autre portable. Et ça, c'est pas un témoignage, ça, tout le monde peut témoigner de ça. Alléluia! Dis à ton voisin, on veut des prodiges. Ben oui. Frères, sœurs, nous bénissons Dieu parce que Jésus a fait des miracles. Ben oui, mais pasteur, il a fait des miracles. Et aujourd'hui, c'est comment? Nous bénissons Dieu parce qu'il a sauvé les âmes. Et aujourd'hui, c'est comment? Parce que nos assemblées là, ont besoin d'être sauvées. Vous croyez quoi? Nous avons besoin d'être sauvés, frère. Notre génération, là, vous avez vu le nombre de malades aujourd'hui? Vous avez vu le nombre de personnes malades aller dans les hôpitaux? Vous allez voir, c'est incroyable, c'est terrible. Il y a des maladies même qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas prononcer les noms, tellement que c'est compliqué. Les glo, quoi, mais c'est comment, là? Quand vous comptez les lettres, il y a 30 lettres comme ça, là. Les prodiges. Parmi les prodiges, là, il y a d'abord les conversions. Qu'une personne se lève pour dire j'étais dans la sorcellerie, dans le péché, je n'en veux plus. Ça, c'est un prodige. Qu'une personne se lève pour dire moi, je ne veux plus,
n'est-ce pas, être dans le concubinage parce que mon cœur est touché. Ça, c'est un prodige. Tu n'as pas besoin qu'on te fasse répéter la prière d'acceptation de Jésus-Christ. Dis, Jésus, Jésus, je te reçois. Dans mon cœur, comme mon Seigneur, mon Sauveur, je te reçois. Dans... C'est écrit où? Non, c'est pas ça. Chanter à Yahweh un cantique nouveau parce qu'il a fait des prodiges. Oui. Mais les gens vont dire, mais il a fait quoi pour moi encore là? Quel prodige? Vous allez me dire, mais tout est accompli. Oui, tout est accompli, mais moi je crois que Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, demain et après-demain, Dieu est toujours le même. Dieu agit toujours de la même manière, frères et sœurs, il n'a pas changé. Je crois que des organes défectueux peuvent être régénérés par le Seigneur, par la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, frères et sœurs. Cantique nouveau. La dernière fois que tu as reçu un cantique nouveau, depuis que tu sers Dieu, depuis que tu pries, ça remonte à quand? Fais le bilan sur ta conversion. Est-ce que tu as déjà reçu un cantique nouveau? Qui n'a jamais reçu un cantique nouveau? N'ayez pas honte, ce n'est pas pour vous condamner. Un chant. Qui a déjà reçu un chant? Vous en avez fait quoi de ce chant-là? Vous les avez gardés pour vous ou est-ce que vous les avez partagés? Hein? Voilà, vous avez la réponse. D'accord? Si vous les avez gardés pour vous, vous aurez aussi des comptes à rendre. Cela veut dire que vous êtes égoïste. Ben oui, vous chantez les cantiques des autres, que les autres reçoivent. Quand est-ce qu'on va chanter les cantiques que vous avez reçus? Donc vous aurez des comptes à rendre le jour du jugement. Parce qu'au lieu de partager, vous avez gardé. Lors des réunions d'église, logiquement, chaque chrétien qui reçoit un cantique doit se lever pour dire « J'ai un cantique à partager avec les frères et sœurs, pour, je vais vous apprendre un chant, chant nouveau. » D'accord? Vous savez pourquoi beaucoup ne vivent pas les prodiges? Dieu fait un prodige dans leur vie. Il leur donne des chants, il le garde pour eux, ils ne chantent pas réellement, ils n'adorent pas Dieu réellement, et bien les prodiges s'arrêtent. Dieu se dit « Si j'agis encore, ils ne vont pas me glorifier. » Et Dieu arrête. Vous savez pourquoi l'huile s'est arrêtée quand Élisée est allé chez cette femme, la Tsunamite? Parce qu'il n'y avait plus de vase. Voilà. Le manque de chant envers le Seigneur, le manque de révérence, d'adoration, ben, n'est-ce pas, nous empêche d'expérimenter la gloire de Dieu dans le quotidien. Dieu vous guérit, vous allez rendre gloire aux hommes. Dieu vous visite, vous allez glorifier les hommes, leur donner de l'argent comme offrande d'action de grâce. Vous avez vu ça où? C'est Dieu qui a fait. Tu voudrais le partager après? Ouais. Alléluia. Amen. Nous lisons bien les psaumes de David, psaumes de Corée. Ah ben, eux, ils ont donné, ils ont partagé. Toi, tu as fait quoi avec tous ces chants? Tu en as reçu 10, 15, 20. Tu en as fait quoi? Non, mais tu sais, moi, j'attends d'abord de rentrer dans un studio. Ah bon, David a fait ça? Non, mais j'attends d'avoir un produit. Mais David a vu ça, là? Il est allé voir un Égyptien pour être produit? Non, mais j'attends d'abord, avant de le partager, pour ne pas que tout le monde soit au courant, j'attends, c'est le Seigneur, on va me le piquer. Ah bon? Donc, toi, tu laisses David se faire piquer ses chants. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas mis de copyright dessus. Et toi, tu mets un copyright? Les droits d'auteur? Cette génération aura des comptes à rendre, des comptes terribles à rendre au Seigneur. Terrible. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de questions là. Laissez-moi finir d'abord, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Qui sent que Dieu l'interpelle là? Dieu a fait des prodiges dans ta vie, tu ne veux pas témoigner. Non, je suis timide. Ah bon? Eh bien, la prochaine maladie qui sera là, Dieu ne va pas agir. Parce qu'il se dit, moi je fais des choses dans ta vie et toi tu ne veux pas me glorifier pour encourager ceux qui sont condamnés. Eh bien, Dieu bloque. Et quand c'est comme ça, on cherche des sorciers. Non! Ton propre sorcier, c'est toi-même. Parce que tu empêches Dieu d'agir. Alléluia! Il y a une chose que Dieu aime beaucoup. Vous savez ce que c'est? Posez-moi la question, c'est quoi? Dieu mange la gloire. Dieu aime l'adoration. Là. Dieu aime ça. C'est pas avec l'or. C'est pas avec l'argent. C'est l'adoration.
il agit, tu te plies, tu plies tes genoux, Seigneur, oh que ton nom soit béni, oh Seigneur mon Dieu, tu vas témoigner. Waouh, Dieu voit, waouh, il me glorifie. Voilà. Un chant nouveau. À chaque fois que Dieu agit, il y a un chant nouveau. À chaque fois que Dieu agit, il y a un chant nouveau. Vous voyez, s'il n'y a plus de chant nouveau dans nos églises, c'est parce que Dieu n'agit plus. Les mêmes chants depuis des années, les mêmes chants. Il n'y a pas même un chant nouveau de temps à autre, ça n'existe pas. Mais s'il n'y a plus de chant nouveau, ça veut dire qu'il n'y a pas de renouvellement. C'est aussi simple que ça. Essayez de manger du riz depuis 20 ans, là, vous allez voir. Pendant 20 ans, vous mangez du riz. À un moment donné, vous allez vous dire, mais non, c'est bon que maman, est-ce que tu peux changer un peu quand même? Depuis 2 semaines, toujours, tous les soirs, riz, riz, riz. Bon, riz avec des haricots, essayez un peu là. Pendant 1 mois, vous allez bouder. Eh bien, on va devant le Seigneur avec les mêmes cantiques, le même chant. Seigneur, me voici. 30 ans après, Seigneur, me voici. Il dit, mais ça fait 30 ans que tu dis, me voici, mais tu ne sais pas que je suis en toi déjà là. Alléluia! Mais s'il y a des chants nouveaux, Seigneur, tu es en moi, je bénis. Vous voyez, frère, ça va nous délivrer tout ça, la frère et soeur. Alléluia. Qui est fatigué de ce... Qui est fatigué de la religion, là? Qui... Nous sommes nous sommes dans un lien d'amour. Le Seigneur regarde, non, ils sont même pas un. L'autre là-bas, il veut la dîme. L'autre refuse la dîme. L'autre là-bas, il veut le bâtiment. L'autre là-bas. Quelle hypocrisie! C'est pour cela que moi, j'en peux plus. Les églises d'aujourd'hui, le frère, 2 ou 3 personnes qui craignent Dieu, on partage, ok. Mais sinon, pour être avec les hypocrites, ça n'intéresse plus. Ton nom est saint. Nous sommes un peuple saint. Dieu dit, vous êtes saint là? Toi, tu es dans le concubinage. Toi, tu n'es pas marié à la mairie. Toi, t'es... Quel saint là? Viens, Saint-Esprit, viens parmi nous. Le Seigneur dit, si je viens, vous allez tous mourir là. Alors, je préfère ne pas venir. Alléluia! Amen. Qui veut que je parle encore de la part du Seigneur? Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Il dit, mais tu me dis de prendre tout. Quand je commence à prendre tout, tu dis, non, Seigneur, laisse-moi au moins 30%. Tu peux tout prendre, mais pas ce petit copain que j'ai là. Non. Mm-hmm. Vous ne voyez pas qu'on est hypocrite. Vous ne vous rendez pas compte à quel point nous sommes hypocrites. C'est vrai. Regardez nos chants là, dans nos églises. Saint est le Seigneur. Le Seigneur regarde. Il dit, oui, je suis saint. Effectivement, je suis saint. Ensuite, le couplet qui suit. Là. Nous sommes saints. Il dit, vous êtes sûr là? Heureusement que Dieu est amour. Sinon, mon frère, personne ne sortirait d'ici vivant. Un jour, les Hébreux ont dit à Moïse, toi, parle avec Dieu. Dis à Dieu de ne plus nous parler, qu'il reste là-bas seul avec toi. Parce que nous ne voulons pas mourir. Une autre fois, Adam, bien avant, Adam a tapé la fuite, frère. Il a pris sa jambe à son cou. Ils sont cachés. Il a pris des feuilles, il a mis des feuilles, tout ça, là, ça a éclaté quand Dieu est descendu. Il se retrouve de nouveau nu. Il dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché. L'arbre que tu as créé là, je suis en dessous. Ce n'était pas pour aller se cacher dessus, pour aller manger des fruits. Lui, protection là. Mais pourquoi? Qui t'a appris que tu es nu? Mais la femme que tu as mis. L'homme, comment nous sommes, nous les hommes? La femme que toi tu m'as donnée. T'ai-je demandé une femme? Tous nous accusons Dieu. Qui n'a jamais accusé Dieu ici? Moi le premier. Tous! Dieu! Oui! À la barre! Je ne t'ai pas demandé de me créer, n'est-ce pas? Dieu! Oui!
Tu as vu mes souffrances et tu ne fais rien du tout. Hmm? Ça fait des années que je prie, je jeûne, rien. Et si Dieu existait, pourquoi autant de problèmes? Voilà comment nous sommes. Si Dieu existait, pourquoi autant de galères? Hein? Vous dites toujours Dieu, 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 Dieu. Mais Dieu, s'il existe, pourquoi autant de guerres? Qu'est-ce qu'il fait Dieu là? Hmm? Il est dans son ciel là-bas, il ne fait rien. Voilà comment nous sommes. Crois-tu en Dieu? Non, il n'existe pas. Ça, c'est un athée. Tu le prends, tu le mets dans un avion. Paris, Fort-de-France. Et avec les alizés, le vent fort là. L'avion rentre dans une zone de turbulence. Le même athée. Hein, il sent que l'avion commence à bousculer dans tous les sens. Oh mon Dieu! Alléluia! Mm-hmm. C'est quand on est coincé. C'est comme ça que nous sommes, nous les humains. Que l'on commence à faire référence à Dieu. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Dieu dit, mais ça fait 20 ans que je suis en train de réclamer cette âme, justement. Et ça fait 20 ans que tu refuses. Le jour du jugement, nous serons étonnés, surpris. Et quand on va faire les offrandes, on vérifie bien que le pasteur nous fixe bien comme il faut. Alléluia, amen, alléluia, amen. Tu vois, je donne bien ma dîme. Hein? Amen, alléluia, amen. 5 ans après, oh ben tu sais, ça fait 5 ans que je suis là-dedans. Personne ne me calcule. Hein? Je n'ai même pas de poste, rien. Pourtant, c'est grâce à moi si l'œuvre avance. Là. Je soutiens beaucoup. Là. Ah bon, toi, un souffle. Chanter, c'est un ordre. Ah, Yahweh, un chant nouveau. C'est un ordre. Pas toujours le même chant. Un chant nouveau, c'est un ordre. Chanter à Yahweh, un chant nouveau. C'est un ordre hein, qu'on nous a donné ici. Pourquoi? Parce qu'il a fait des choses. Regardez, faites la liste des choses que Dieu a faites dans nos vies. Toutes les fois, on aurait pu mourir à l'enfer. Dieu est intervenu. Mm-hmm. Faites le bilan. L'accident que tu as fait ce jour-là, tu as failli mourir. Dieu était là. Même les pompiers, quand ils sont arrivés, ils se sont dit, mais quelqu'un est sorti d'ici vivant? Oui, c'est moi. Ah bon? Un pasteur est mort sur une femme, en plein adultère. Il est mort dans le péché, il est parti à l'enfer. Mais toi, quand tu es dans l'adultère, là, tu n'étais pas mort, Dieu t'a gardé. Ah hein. Est-ce que tu penses que tu es mieux que ce pasteur? Non. Je suis mieux que lui? Non. Chantez à Yahweh un chant nouveau. Car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Yahweh a manifesté son salut. Waouh. Dieu manifeste sa délivrance. Dieu manifeste son salut. Dieu va manifester son salut. Alléluia. Dieu va manifester sa délivrance. Frère, nous sommes un peuple, le peuple des rachetés. Dieu manifeste son salut. Et il a révélé sa justice aux yeux des nations. Vous savez quoi? Dieu convoque les nations et il va révéler sa justice. Cela veut dire quoi? Les vrais enfants de Dieu finissent toujours par être justifiés. Dieu dresse toujours une table devant eux en face de leurs adversaires et il les justifie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils chantent des chants nouveaux, parce qu'ils sont appelés de Dieu et Dieu finit toujours par les justifier. Vous savez, avant qu'un enfant de Dieu ne meure, Dieu va d'abord le justifier. Et la parole nous dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Et une personne que Dieu glorifie et élève dans la gloire, quoi que vous fassiez, la personne va toujours monter. Quoi que vous décidiez, quoi que vous arrêtiez, Dieu va toujours... Vous savez, je vous dis une chose. La loi de la pesanteur n'a pas empêché Jésus-Christ de monter. Pour qu'un fusée, pour qu'une fusée s'arrache de l'attraction terrestre, il faut des moteurs très puissants. Et ça dépense des tonnes et des tonnes de kérosène juste pour arracher la fusée de l'attraction terrestre. Vous savez, quand vous prenez une pomme, une pierre ou n'importe quel objet, vous le jetez en l'air, il a tendance à tomber. Oh, c'est obligé. Vous savez pourquoi? L'attraction de la terre, c'est une force. Il y a trois forces au moins qui régissent, mes amis, l'univers. Il y a l'attraction, la pesanteur, tout ça. Et vous savez quoi? Dieu dit dans la Bible, c'est lui qui gère toute cette loi-là. C'est lui qui gère, frères et sœurs. Vous savez, quand Jésus-Christ est monté au ciel après sa résurrection, il est monté simplement. Aucune force ne pouvait le retenir. Ça veut dire quoi? Quand Christ va revenir et qu'il va justifier les élus lors de la résurrection, frère, lors de l'enlèvement de l'église, frère, nous allons être arrachés de ténèbres, frères et sœurs. Hein? Aucune force, aucune puissance. Frère, de l'ennemi ou sorcier, magicien, le diable, aucune force ne peut empêcher un enfant de Dieu d'être arraché, mes amis. Alléluia. C'est pour cela que les sorciers écoutent bien, parce qu'il y en a ici, hein, qui font semblant quand l'onction vient, ils font semblant de crier. Distraction, sorcier, on connaît ça. Frère, la puissance de la résurrection, là, quand ça vient là, pour te justifier, frère, tu vas toujours monter. Tu comprends? Dieu va toujours t'amener dans les hauteurs. Parce qu'il a amené les captifs dans les hauteurs. Tu vas monter dans ton élévation et les gens seront là pour admirer l'œuvre de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Alléluia. Dieu d'Israël, de gloire en gloire, de guérison en guérison, parce que Dieu te justifie, parce que Dieu révèle sa justice. Dieu est juste. Celui qui te combat sera combattu. Voilà la justice de Dieu. Oh, il y a quelque chose. Celui qui t'attaque sera attaqué. C'est ça la justice de Dieu. Celui qui... Oh, alléluia. Dieu va faire boire sa coupe. La coupe de sa colère à tous tes ennemis. Et tu vas les voir boire la coupe. Oh, alléluia. Dieu va demander aux sorciers qui viennent mettre de la saleté chez toi. Il va les, n'est-ce pas, leur demander d'aller eux-mêmes les enlever. Ce n'est pas un ange qui viendra. Dieu dira vous-même, allez. Ah! Celui qui te combat aujourd'hui, ça je parle prophétiquement. Celui qui t'attaque aujourd'hui, c'est à lui que Dieu dira, tu vas rectifier. Oh, oh mon Dieu. Un jour, une famille chrétienne se réveille et en Afrique et cette famille voit devant leur maison une personne nue avec son balai en train de balayer. C'est une sorcière. On lui demande, mais qu'est-ce que vous faites à 5h du matin comme ça? La personne dit, Dieu m'a dit, je suis sorcière, Dieu m'a dit de prendre mon balai et de venir enlever tout ce que j'avais mis. Hein? Le médecin qui t'a condamné, c'est lui-même qui viendra pour constater qu'effectivement, il n'y a plus rien. Frère, c'est pour cela la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Dieu manifeste la justice aux yeux des nations. Ça, c'est magnifique. Il n'y a aucune nation qui sera à côté. Et Dieu va convoquer les nations. Et sa justice ici, c'est Yeshua. Oh, Yeshua. Le juste juge. Les nations l'ont condamné. Mais quand le Père l'a réveillé d'entre les morts par son Saint-Esprit, mes amis, il y a eu un tremblement de terre. Hein? Les nations ont constaté. Ont constaté que cet homme-là était différent. Il a manifesté son salut. Le salut ici, c'est Yeshua. Il est manifesté présentement depuis 2000 ans. Sa gloire se manifeste.
et bientôt il sera manifesté physiquement lors de son retour, frères et sœurs. Et nous sentons que nous le sentons, nous le pressentons, que Yeshua, Jésus de Nazareth, est en train de revenir. Vous savez pourquoi? Parce que les nations appellent, les nations invitent, les nations cherchent un homme politique capable de sortir de cette confusion dans laquelle le monde est plongé. L'antéchrist viendra, c'est vrai, mais les nations vont s'apercevoir de sa supercherie. Elles vont aussi rapidement le rejeter, et elles vont continuer à désirer cet homme. Et c'est Yeshua qui va se présenter. Et ce psaume-là annonce le retour du Mashiach. C'est pour cela que les 54 000 membres, selon Apocalypse 14 et 7, chantent un cantique nouveau. Le cantique de l'agneau. Le cantique nouveau a pour base Yeshua, l'époux. Frères, sœurs, bientôt, l'ennemi de nos âmes sera totalement écrasé. Je voudrais, de la part du Maître, annoncer aux enfants de Dieu dans le monde entier que bientôt nous allons être arrachés de l'attraction terrestre. Bientôt nous allons quitter le chômage de ce monde, nous allons quitter la confusion, nous allons quitter ce monde de ténèbres, frères et sœurs. Et je peux déjà voir les élus qui montent, mes amis, à la septième trompette, à la dernière trompette. Je peux déjà voir ces hommes et ces femmes arrachés de ce monde de ténèbres par le Maître des maîtres et qui montent vers le roi des nations, vers l'agneau de Dieu, vers le lion de tribu de Juda. Alléluia, je vois ces hommes et ces femmes, frères et sœurs, chantant un cantique nouveau. Parce que ça va être un grand prodige, l'enlèvement de l'église. Un grand prodige, frères et sœurs. Ah oui. J'ai vu, comme je vous ai dit, il reste seulement 3 minutes dans l'horloge de Dieu. 3 minutes prophétiques. Il nous reste très peu de temps. Vous avez vu, ça va mal. Le monde va mal. Regardez bien, ça va mal. Les crises ne font que s'accroître. Vous avez vu en Ukraine, la Russie et l'Ukraine, c'est la troisième guerre mondiale qui se profile. La Russie soutient les nations musulmanes. Les États-Unis, Israël, c'est la troisième guerre mondiale qui se profile aux portes de l'Europe. Vous avez vu, frère? Ça va être terrible. Et l'Ukraine qui demande de l'aide à l'OTAN, c'est la troisième guerre qui se profile, l'Armageddon, frères et sœurs. On n'a plus de temps, on n'a plus de temps. Les gens sont endormis, les gens ne comprennent pas ce qui se passe, frères et sœurs. Vous avez vu, mes amis, la Syrie, vous avez vu, n'est-ce pas, cette secte islamique qui prend de l'ampleur en Irak. Les nations sont en ébullition. Les nations sont en ébullition. Vous avez vu le chômage qui ne fait que s'accroître en Europe, avec la confusion qui règne. Vous avez vu, frères et sœurs, le racisme va de plus en plus augmenter dans les nations. Ça va être la guerre, la panique partout, la confusion. Vous avez vu le nombre de personnes qui se suicident actuellement, frères et sœurs? C'est la confusion. Eh bien, il y a un peuple, le reste, les hommes et les femmes qui ont mis leur confiance, non pas dans les hommes, non dans les hommes politiques qui ont des beaux discours, mais qui n'ont pas les moyens pour nous sortir de cette confusion. Mais ces hommes et ces femmes, mes amis, ont mis leur confiance en Yeshua, dans le Dieu véritable. Et bientôt, frères et sœurs, ils vont chanter ce grand chant nouveau, le cantique de Moïse, le cantique de racheté, frères et sœurs. Et nous allons monter vers l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Alléluia, Jesus Christ. Oh! Alléluia! Vous savez pourquoi? Pourquoi Yeshua est appelé le lion de la tribu de Juda? Parce que c'est vers lui que nous allons. À chaque fois que Israël livrait une bataille, lisez bien le livre des Juges. Les 12 tribus se posaient des questions. Laquelle de tribus allait monter, n'est-ce pas, la première? Ils allaient consulter le Seigneur, ces hommes et ces femmes. Et Dieu leur disait, c'était Juda. Juda signifie louange. Louange. Il louera. Louange. Voilà pourquoi, frère, nous allons monter lors de l'enlèvement avec un chant nouveau. Le lion de la tribu de Juda, c'est ce lion qui aime la louange, qui aime l'adoration, qui aime qu'on le loue, qu'on l'exalte. Cela veut dire quoi? Quels que soient tes problèmes, fais d'abord monter une louange en premier lieu.
Quels que soient tes combats, plie tes genoux, loue d'abord Dieu. Quand tu apprends une nouvelle, une mauvaise nouvelle, plie tes genoux, Seigneur, que ton nom soit béni. Oh, si tu sais combien la louange brise les chaînes, brise, oh alléluia, les attaques de l'ennemi, frères et sœurs. Quand les sorciers viennent vous agresser et que vous vous mettez à louer Dieu, frères et sœurs. Ouh, Jesus Christ. Vous savez pourquoi David n'a pas pu être atteint par Saül? David était un adorateur. Un louangeur, un chantre. Ah, ouh, on va monter. Louez l'Éternel des armées. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Dieu se rappelle de ses alliances. Si Dieu t'a appelé, il va toujours se rappeler de son appel. Dieu est plus que la fidélité. Je te dis, quand je suis beaucoup combattu, je plie les genoux, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as parlé. C'est toi qui m'as confié cette charge. Frère, Dieu se souvient. Au ciel, il y a un livre de souvenirs. Dieu dit à chaque fois, ouvre-moi ce livre-là. Et Dieu regarde, voilà, le 2 novembre 2003, j'ai appelé telle personne au service. Ouh, frère. Et quand c'est comme ça, Dieu se lève. Gare à tes ennemis. Il se souvient. Les hommes peuvent oublier, mais non Dieu. Il se rappelle toujours. Sa mémoire n'est pas défaillante. Dieu se souvient de tous les actes que nous posons. Dieu se souvient. Alléluia. Même si on meurt un jour, Dieu se souviendra de nos enfants. Dieu dira, leur père, leurs parents m'ont servi honnêtement et je me souviens. Vous savez comment il se souvenu de l'alliance avec Abraham alors qu'Abraham était mort depuis des années et des années. Oui, frère. Oui. Dieu. Je peux te faire une promesse aujourd'hui, demain j'oublie. Mais Dieu, jamais. Ne laisse pas les problèmes te faire oublier les promesses du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme vision, comme songe quand tu dormais? Rappelle-le au Seigneur. Seigneur, tu m'as dit. Tu m'as dit. Ouh, alléluia. Alléluia. C'est pour cela, Satan est allé voir Jésus pour dire, il est écrit. Mais malheureusement, pour lui, il est écrit, c'est l'enfer, hein, c'est le feu. Mais pour nous, frères, il est écrit le ciel, la nouvelle Jérusalem. Il est écrit que tout est accompli. Tout est accompli. Rappelle au Seigneur que tout est accompli pour toi. Mais attention. Quand tu rentres dans cela, là, crains Dieu. Et tu verras. Tu verras. Parfois, nous sommes là avec les frères et sœurs. Nous nous disons, mais Seigneur, comment les choses se font-elles? Naturellement, sans forcer. Des portes s'ouvrent sans forcer. Oui, Dieu se souvient. Dieu se souvient, frère. Alléluia. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Toutes les extrémités de la terre. Vous savez, dans Matthieu 28, le Seigneur a dit quoi? Allez et annoncez l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour arriver à toucher toutes les extrémités de la terre, frère, Dieu permet aussi qu'il y ait Internet. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut. Le salut, c'est Yeshua. Cela veut dire que même les Indiens en Amazonie, frère, on va y aller. Même s'ils n'ont pas Internet, frère, les avions sont là. Il y aura des missionnaires ici. Après le programme de réveil ici, frère, Dieu va vous missionner. Vous allez partir dans vos pays d'origine, frères et sœurs. D'autres vont aménager, vont déménager ailleurs. Tout avec une onction nouvelle, avec des chants nouveaux, simplement pour annoncer que Yeshua revient. Il n'y a plus d'autres messages. Jésus revient. L'époux revient. Je vous dis. On vous dirait, mais vous êtes une femme. Oui, mais femme, Marie de Magdala a annoncé l'évangile. Oui. La femme samaritaine a annoncé l'évangile. Une femme, la samaritaine, a gagné toute sa ville. Frère, aujourd'hui, il y a plus que des femmes samaritaines, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? La femme samaritaine n'avait pas le Saint-Esprit. Juste la parole que le Seigneur lui avait donnée. Mais les femmes d'aujourd'hui, frères, celles qui sont en Christ, les princesses du roi, ont non seulement l'Esprit, elles ont la parole révélée, frères et sœurs. Vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Oh! Vous savez pourquoi Dieu vous attire comme ça de loin? Vous allez prendre ce feu et rentrer avec, le diffuser. Dieu dit, vous êtes des diffuseurs du feu du Saint-Esprit. Les extrémités de la terre. Et tu ne pars pas seul, onctionné par Dieu.
mandaté par Dieu, oint par Dieu, équipé par Dieu. Ah, laisse-moi faire ce que Dieu me dit. Moi, je crie. Ne me cherche plus. Toi, là, prends la parole. Va faire ce que Dieu te dit de faire. Non, mais le frère, j'aurai l'habitude. Ce n'est pas ton problème. Chacun fait ce qu'il a à faire. Alléluia. On va faire quoi pour le 19, frère? Tu es encore à ce niveau-là, ma soeur? On va faire quoi? On va construire encore Babylone ici. Hein? On bouge. Dis à ton voisin, on va bouger. Dis-lui les extrémités de la terre. Ah bah oui. Ton village d'origine, là, tu vas repartir là-bas. Hier, tu avais peur de sorcier. Aujourd'hui, tu vas aller confronter le chef du village. Alléluia! Je viens au nom de Jésus de Nazareth. Tu viens contre moi avec les gris-gris. Avec ton crâne là. Moi, je viens contre toi avec la parole de Dieu. Alléluia! Vous allez voir ça. Ah. J'ai eu une vision là, avant-hier. Oh frère, c'est terrible, une vision terrible. J'étais là, je dormais, je regardais. Et j'assistais à une scène terrible. Je voyais un pasteur grand selon les hommes, qui est dans le péché en Afrique. Il y a une assemblée de plus de 7000 personnes. Ce pasteur, j'ai vu des démons lui parler et j'étais là, je regardais. Mais les démons ne me voyaient pas. Les démons lui disaient, toi, tu ne crains pas Dieu. Et ils ont commencé à le frapper. Et il y avait des démons et des sorciers. Et ils étaient puissants. J'étais là caché, je regardais. Oulolololololo. Oulolo. J'avais peur pour ma vie, frère. Oulolololololo. Ils le tabassaient, ils le tabassaient. Ils l'ont mis par terre. Et un démon disait, voilà. Voilà pourquoi, à cause de ton péché, nous avons paralysé ton côté gauche. Et effectivement, il est paralysé. Actuellement. Et Dieu m'a montré tout ça. C'était les démons. J'ai vu comment il a été attaqué par des démons. Et j'étais là, je regarde, oulolololo, pourvu qu'il ne me voit pas ici, les démons, là, tout ça, là, les sorciers, pourvu qu'il ne me voit pas. J'étais comme derrière une maison, je regardais comme ça, là, je regardais. Et à un moment donné, j'ai vu ces démons venir là où j'étais, et ils m'ont vu. Waouh! Frère! Non, dis à ton voisin, Jésus est trop fort. Frère, vous savez ce que j'ai fait? Je fais comme ça, là, avec mon bras, ma main. Je fais au nom de Jésus. Frère, il y avait un vent qui sortait de cette main. Ça le projetait. Alléluia. Et je voyais, je faisais ça. Bah, et ils étaient plaqués au sol. Je disais, ça marche. Je disais, ah ben, venez encore. Au nom de Jésus, pas au sol. Au nom de Jésus, pas au sol. Au nom de... Ah, mais c'est terrible, Seigneur. Frère, celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dehors. Quand je me suis réveillé, frère, j'avais des muscles. C'est comme si j'avais fait de la musculation. Je dis, mais Jésus est trop fort, frères et sœurs. Ah, démon, vous avez été vaincus au nom de Jésus. Vous ne vous rendez pas compte. Écoute, Dieu dit jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire qu'il n'y a pas une portion de terre contrôlée par les démons que Dieu ne puisse prendre. Même si on dit non, cette terre a été consacrée. Frère, la Bible dit tout lieu que tes pieds vont fouler. Oh. C'est pour ça qu'on va tourner, mon frère. Quand on va arriver à Martinique cette fois-ci, on va être à Martinique là aujourd'hui. Là, à genoux devant Jésus-Christ de Nazareth. On arrive en Guyane, frère. On va bouger avec. Oh, alléluia. Jusqu'aux extrémités. Il y en a ici, là, ils vont prendre des pirogues. En Afrique, là. Vous allez où là? Évangélisation. Pirogue. Vous allez où là? Guyana. Évangélisation. Ah frère, vous allez voir ça. Pour annoncer aux gens que Yeshua revient. Qui veut annoncer son retour? Poussez vers Yahweh des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. C'est un ordre. Hein? Vous tous habitants de la terre. Qui habite la terre, frère? Les hommes. Mais pas que les hommes. Hein? Quand vous entendez les pigeons roucouler là.
épouse de Christ. Dis à ton voisin, la parole s'accomplit. Quand vous entendez cocoricos, ça s'accomplit. Ah oui. Quand vous entendez les chiens, ça s'accomplit. La Bible dit poussez vers, laissez les chiens aboyer. C'est la parole. Ou quand on entend cela, laissez le chien adorer. Alléluia. Poussez vers Dieu, frère. La parole est vraie. Les animaux adorent Dieu. La création loue le Créateur. Frères et sœurs, et c'est vers Dieu. Vers Dieu. Pas à Rome. Hein? Vers Dieu. D'accord? Alléluia. Waouh! Chantez à Yahweh avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Qui n'a pas un instrument de musique chez lui à la maison? Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez des belles télévisions? Hein, des beaux postes de radio? Et vous vous rendez compte à quel point nous sommes négligents? Frères, sœurs, vous avez votre télévision là pour regarder l'ordinateur. Mais vous n'avez même pas un instrument de musique pour adorer Dieu avec. Et vous voulez que Dieu se manifeste dans vos vies. Qui t'a dit que tu ne peux pas apprendre à jouer de la guitare ou d'un piano? Qui t'a dit ça? Dis à ton voisin, maintenant. Maintenant. Je comprends. Je veux m'acheter un instrument. Et adorer Dieu avec. Prends-toi une guitare. Ça coûte pas grand-chose. Même si tu ne sais pas jouer. Fais seulement bling, 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 bling. Bling, bling, Jésus, bling, Jésus, bling, Jésus. Ah, c'est tout. Alléluia. Et à force de bling, 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 un jour. Ça marche. Non, qui veut vraiment appliquer la parole de Dieu? Voilà. Oh non, j'ai plus l'âge. Ah ben, t'as plus l'âge pour adorer. Les 24 vieillards, là, ils sont plus âgés que nous. Hein. Ah oui? Ils sont blancs de partout, là. Partout, ils sont tout blancs. Là. Et ils adorent. J'ai appris à jouer un tout petit peu du piano par la foi. Pris un piano, tout ça, un petit synthé, pour adorer Dieu. Qui veut économiser pour s'acheter une guitare là? Il y a une guitare à 50 euros. Hein, vous allez sur internet, là, occasion, là, il n'y a pas de problème. Ouais, oui. Faites l'expérience. Un jour, vous allez dire, vous viendrez témoigner ici. Ah oh, oui, frère, depuis que j'ai pris ma guitare là pour adorer Dieu avec, oh, c'est beau. Nous sommes un peuple d'adorateurs. On ne va plus laisser l'adoration aux spécialistes hein, qui font des concerts payants là. Ils vont faire faillite avec leurs concerts payants. Là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'achetez plus leurs albums avec leurs photos là, tout ça là. Ce sont des starlets là. C'est Hollywood tout ça là. Faut plus prendre ça là. Quand je prends mon piano là, frère, j'ai pas besoin de Mozart. Hein. Qui t'a appris à jouer du piano gelé? Tout seul avec le Seigneur? Ben voilà. Un chant nouveau. Un chant. Je veux chanter. Pour toi, un chant nouveau. Tu fais des prodiges, mon roi. Il n'y a pas besoin d'être professionnel. Tu as tes mains là. Il y en a, ils n'ont pas de mains. Ils sont amputés des bras, des mains, tout ça. Là. Toi, tu avec tes doigts, tu peux louer Dieu. Prends un instrument.
poussez vers Dieu le cri de joie. Vous voulez être béni par Dieu, mais qu'est-ce que vous donnez à Dieu? Vous vous rendez compte, frère? Non, j'ai pas une belle voix. Tu penses que Dieu a besoin d'une voix? D'une belle voix? Le cœur. La Bible dit, prenez la harpe, comme David. Un jour, j'étais dans un magasin de musique. Dieu m'a dit, ce piano-là, je te l'offre. Je lui ai dit, Seigneur, mais j'ai pas l'argent, mais Dieu, je te donne ce piano-là, je te l'offre. C'est un beau synthé comme ça, un très très beau, très, très, très puissant. Le même jour, j'ai eu l'argent. J'ai commencé à jouer dans ce magasin de musique. L'onction est venue dans tout le magasin. Il y avait un monsieur français qui, d'un certain âge qui était un peu plus loin. L'onction est venue sur lui. Le monsieur pleurait. Il dit, mais moi, je sens quelque chose. Ça s'appelle l'onction. Alléluia! Parole de connaissance. Alors, ce jour, tu veux donner ta vie à Jésus? Oui, on va prier. Prie pour lui au nom de Jésus. Il a reçu Jésus-Christ. Voilà. Tu passes devant un magasin de musique, tu vois une guitare qui est là, qui t'attend, qui t'appelle. Prends-moi s'il te plaît. Tu passes devant. Tu arrives dans un autre magasin, costume et cravate. Ça c'est bon pour moi là. Chaussures, ça c'est bon pour moi là. Maquillage, ça c'est bon pour moi là. Tissage, là, tout ça là, ça c'est bon pour moi là. Synthé, c'est pour les professionnels. Guitare, c'est pour les musiciens. Et toi, t'es quoi? T'es qui? Dis à ton voisin, je veux rattraper le retard. Alléluia! Chantez à Yahweh avec la harpe, chantez les cantiques, avec les trompettes et au son du corps, au son du corps, au son du chauffard. La corne de bélier. Sonner le chauffard. Bon, c'est pas ce qu'il faut. Il ne faut pas faire ça aujourd'hui. Hein. Bah, si tu veux, il n'y a pas de problème non plus. C'est pas non plus un péché. Ouh. Alléluia. Poussez de cris de joie devant Yahweh. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, frère. La parole demande aux requins d'adorer Dieu. Vous vous rendez compte? Est-ce que tu sais que la parole demande aux requins d'adorer Dieu, aux baleines, tout ça là, d'adorer Dieu? Quand on voit une baleine sortir comme ça, waouh, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle la baleine là, tout ça là. Vous ne vous rendez pas compte, elle est en train d'adorer Dieu. Vous voyez le requin, comment il est majestueux, comment il est puissant. Mais c'est l'adoration, il adore Dieu. Il faut le discernement. La Bible dit que la mer est tout ce qu'elle contient. La mer contient quoi? Ah ben tous ces animaux, même les serpents de mer, on lui demande d'adorer Dieu. Les vagues, quand vous voyez les vagues à la mer, vous qui êtes habitué à la mer, là, tout ça, là, les grosses vagues, ça adore Dieu, la mer chante. Les flots, là, tout ça, là, ça adore Dieu. Frère, c'est terrible, hein. Regardez la tortue de mer. Comment elle est toute belle. Vous avez vu comment elle nage? Vous voyez? La majesté, ça c'est quand vous observez cet animal, vous voyez la splendeur de Dieu. Vous voyez les crabes, ça adore Dieu sous l'eau. Oh non, Dieu est magnifique. Avec tout ce qu'elle contient, la mer contient quoi? Même des pierres là, ça adore Dieu. Le pétrole, là, le gisement de pétrole, c'est sous l'eau. Là. C'est là qu'on va chercher le pétrole. Le pétrole, là, quand tu conduis ta voiture, il y a du pétrole. Là, le pétrole est sous l'eau. Ça adore Dieu. La mer est tout ce qu'elle contient. Et toi qui utilises toutes ces choses, tu ne veux pas adorer Dieu? Tu meurs sans avoir adoré Dieu, mais c'est grave. Tu penses que tu vas aller où? C'est pas le ciel. Hein? Ah non. Tu aimes bien manger les fruits de la mer, non? Ah, les bons poissons, là, j'aime bien la dorade, là-haut, j'aime bien. Est-ce que tu ne sais pas que ces poissons adorent Dieu? Quand tu le manges, là, c'est comme s'il te dit, moi j'adore Dieu, j'ai adoré Dieu, toi tu me manges. Hein? Et tu n'as jamais adoré Dieu alors qu'il t'a créé à son image.
Tout ce que tu as su faire, c'est aller en boîte de nuit, aller t'exhiber là-bas, mettre tes seins dehors, mettre tes parties intimes dehors, et tout ce que tu as... Les animaux vont nous juger parfois. Là. Alléluia! Qui s'aperçoit qu'il n'a pas vraiment bien adoré Dieu? Dieu est Dieu et il veut être adoré et il doit être adoré. Il mérite l'adoration, frère. On n'a pas dit crier vers les hommes, hein. Ne criez pas vers moi. Je n'entends pas quand vous criez. Imaginez tout le monde ici qui crie, j'entends pas. Mais 7 milliards d'individus sur terre, là, quand ils crient tous en même temps, là, Dieu distingue chaque son. Vous vous rendez compte? Dieu. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Le monde et ceux qui l'habitent. Les hommes politiques, d'abord nos dirigeants là, ils doivent commencer par adorer Dieu. Tant qu'ils ne vont pas reconnaître ça, le frère, il y aura crise sur crise. Tout ce que le monde contient, tous, regardez l'aigle royal, quand il vole au-dessus de nous, vous avez vu comment son vol est majestueux, il adore Dieu. Puis regardez les pigeons, le corbeau. J'adore Dieu. Les nuages. La dernière fois, je disais à mes enfants, on allait quelque part en voiture. Je regardais le ciel, je voyais les nuages partout là. Il y avait comme des images parfois. Tu sais, je disais, vous voyez, la peinture du Créateur. Vous avez vu son tableau? Je disais, mes enfants, regardez le tableau que Dieu a fait. L'ouvrage du Créateur. Waouh! Que les fleuves battent les mains. Que les montagnes poussent des cris de joie. Le Mont Blanc, là, que tout le monde veut gravir, là, tout ça. Là. Hein? Tout le monde veut, le Mont Blanc, tout le monde. J'entrais, je suivais une émission sur une RTL, émission de radio, là, tout ça. Là, tout le monde veut gravir sur cette montagne-là. Mais les gens ne se rendent pas compte que cette montagne adore Dieu. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Quand vous allez en Italie, vous passez devant les montagnes. Là. Vous avez vu comment c'est glorieux, c'est puissant. Eh bien, ces montagnes adorent Dieu. Adorent Dieu. Waouh. Et nous, les humains, créés à l'image de Dieu, nous sommes trop fiers, trop orgueilleux. On est trop attachés à nos petits problèmes. Oh non, je souffre. Oh, j'en peux plus. Oh non, je me suicide. Eh bien, vas-y. Tu vas aller en enfer, brûler éternellement. On ne me personne même. Adore Dieu d'abord. Oh, j'ai pas à manger. Adore Dieu d'abord. Oh, je suis malade. Tu es malade? Adore Dieu. Tu vas voir le ciel là, comment il va partir. Vous savez, les démons ont peur de ceux qui adorent Dieu. Je vous dis, ils ont peur de ça. Les adorateurs, on ne peut pas les toucher. Jamais. Jamais. Celui qui se met à genoux, qui adore Dieu sincèrement, par sa vie sanctifiée. Frère, ce n'est pas tout le monde qui va le toucher. L'adoration, ce n'est pas forcément quand tu as une belle voix. Non, je vais chanter à l'assemblée, ce n'est pas ça. Voilà le métro, dans les trains là. Adore Dieu. Proclame la parole de Dieu. Sanctifie-toi. Fais en sorte que par ta vie sanctifiée, que Dieu soit honoré. Et, non mais frère, quand je regarde ma vie, d'où Dieu me sort à chaque fois là, j'aurais pu mourir depuis des années. J'étais entouré de serpents, des vipères, frère. Je vous assure, des vipères. Aujourd'hui, là, Dieu les a. Il a enlevé leurs dents là, tout ça. Là. Tac, 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 tac. Ça peut aboyer, ça ne tue plus, ça fini. Pourquoi? Parce que moi j'adore Dieu un tout petit peu. Je vous dis. Ça m'a attrapé dans le passé comme ça, là, mais ça rentre pas dans le. Vous savez, Paul était mordu par une vipère. Hein. Mais comme Paul adorait Dieu, son sang adorait Dieu. Le venin n'a pas pu tuer Paul. Je vous assure, quand je regarde ma vie, comment j'étais entouré des lions, des vipères, qui ont fait me... À chaque fois, ça ne marchait pas. Pour moi, tout le monde était frère. L'adoration.
Frère, j'ai jamais entendu parler d'un adorateur qui est mort bizarrement là comme. Non. Dieu, quand il regarde comme ça, il regarde Job. Job était un adorateur. Il dit à Satan, tu as vu Job? Job a dit, mais oui, tu as mis un rempart autour de lui. Ben oui, ceux qui adorent Dieu ont un rempart autour d'eux. Je vous dis. Dieu te voit. À 4h du matin, tu es là. Père, je t'aime. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je veux te craindre. Tu vas travailler. On veut te corrompre. Tu refuses la corruption. Dieu te regarde. Une belle femme vient. Oh, tu es belle, c'est vrai, mais je ne veux pas. Waouh. Tu es adoré, frère. Mais tu deviens dangereux. Celui qui te touche, mais c'est grave. Il y a des gens qui avaient l'onction. Appelle qui t'ont touché, là, ils ont perdu l'onction. Il prêche, il n'y a plus rien. Rien. Parce que toi, tu adores Dieu. Ah oui, frère. C'est un ordre. Adorez celui qui mérite la gloire. Rendez grâce à celui qui est Dieu et Père. Changez de mentalité, changeons d'attitude. L'adoration, ce n'est pas seulement le fait de chanter, c'est le fait de dire, Seigneur, je veux te craindre, je veux t'obéir, je veux te servir, je veux faire tout ce que tu me demanderas de faire. Je ne veux plus être religieux, mais je veux avoir une relation avec toi. Et Dieu est adoré. Et quand Dieu est adoré, ben il prend sa main, il te prend, il te soulève comme ça. Là. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et ta vie devient comme de l'encens qui monte vers le Père. Et Dieu entend, Dieu sent cette odeur agréable. Vous savez, quand vous avez affaire à une odeur agréable, vous n'avez pas envie de vous en séparer. Hein? Regardez votre parfum que vous mettez tout le temps parce que ça sent bon. Eh bien, vous devenez comme un parfum, le parfum de Christ, frères et sœurs. Alléluia. Et Dieu a toujours besoin de vous sentir parce que vous sentez bon dans sa présence. Alléluia. Oh Père. Jesus Christ. Les mages sont allés donner à l'enfant Jésus de l'encens. Ils ont reconnu que cet enfant mérite la gloire, l'adoration, l'encens. Ils ont pris de la myrrhe, cette résine qui sort d'un arbre écorché. Pour la récupérer, cette résine, il faut, n'est-ce pas, écorcher cet arbre. Frères et sœurs, eh bien, l'adoration, dans l'adoration, c'est par la souffrance que tu vas adorer Dieu. On te lapide, on te outrage, on te critique, on te condamne, on t'accuse faussement, mais tu ne baisses pas les bras. Le fait de persévérer malgré les attaques, le fait de persévérer malgré les critiques, le fait de persévérer malgré les dires des hommes, fait que tu dégages un parfum de bonne odeur. C'est dans l'adversité, c'est dans les épreuves qu'on voit les adorateurs, parce qu'ils n'abandonnent pas Dieu, ils ne font pas marche arrière, ils ne baissent pas les bras. Ils vont jusqu'au bout. Jesus Christ. Ton âme saigne. Ton cœur saigne. Mais tu es le Père. C'est toi que je désire. C'est toi que je veux adorer. C'est toi que je veux élever. La myrrhe. L'encens. Jesus Christ. Et là, ta prière monte vers le Père. Avant même que tu le pries, Dieu répond. Appelle que tu commences à prier, sa présence vient. Et partout où tu parles, partout où tu vas, il y a la gloire qui te précède. Il y a le feu qui te précède. Il y a la guérison qui te précède. Il y a le miracle qui te précède. Il y a les conversions qui te précèdent. Et tu pardonnes à tes ennemis. Tu bénis ceux qui te maudissent.
Tu n'envoies pas le feu chez les adversaires pour qu'ils meurent. Tu dis, Seigneur, je les bénis en ton nom, Seigneur mon Dieu. Je les bénis comme tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu bénis tes ennemis et Satan est complètement choqué, complètement confondu, complètement désabusé, complètement, hallelujah, Jesus Christ. Oh Père, tu pardonnes à cet homme qui t'a blessé. Tu pardonnes à cette femme qui t'a abandonné. Tu pardonnes à ce père qui t'a blessé, qui t'a trompé. Tu pardonnes, tu libères le pardon. Et ta vie est comme, tu es comme si tu es sur l'autel de parfum. L'autel de parfum. Et Dieu a mis le feu. Et le feu consume. Consume tout ce qui n'est pas de lui dans ta vie. Tu te sens incompris, seul, abandonné. Tu te sens mal. Tu te sens seul. Dieu permet la solitude parce qu'il est en train d'agréer ta vie, ton cœur. Alléluia, 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 alléluia. Offrez vos corps comme un parfum, comme des sacrifices vivants. Offrez vos corps. Offrez vos corps. Offre ta vie aujourd'hui. Offre ton âme aujourd'hui sur l'autel. Dis à Dieu, ce n'est plus le ministère qui m'intéresse. Ce n'est plus la prédication qui m'intéresse. Ce n'est pas voyager qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, Dieu, c'est d'être avec toi comme Marie. M'asseoir à tes pieds, c'est de t'adorer. Que ma vie te soit agréable. Jesus. Et là, le parfum de ta vie monte vers Dieu. Alors que tout le monde t'a condamné, tout le monde te condamne, te rejette. Alors que les hommes t'ont condamné. Mais toi, c'est plus que la guérison que tu veux. Ce que tu veux, ce n'est pas forcément la guérison, mais c'est d'abord Dieu. C'est d'abord plaire à Dieu. C'est plaire à Dieu dans le quotidien. C'est plaire à Dieu dans ta vie de tous les jours. C'est plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Oui, Dieu se sert des hommes pour nous façonner. Il se sert de ta situation pour te changer. Il se sert de ton mari pour te façonner femme. Il se sert de ta situation pour pouvoir te faire grandir. Oh, alléluia. Et cet enfant sera un enfant d'alliance entre toi et Dieu. Dieu changera ta vie. Dieu changera ton couple. Dieu va amener des choses nouvelles. Et tu verras la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Voilà la réponse à tes prières. Voilà la prière que Dieu... Ta prière, Dieu l'a exaucée. Dieu entend tes prières, tes larmes, tes cris, tes pleurs de tous les jours. Alléluia. Dieu sait. Voici ta guérison. Voici ta restauration. Voici ta délivrance. Voici ta libération, femme. Voici ton miracle. C'est maintenant que Dieu te délivre. C'est maintenant que Dieu t'affranchit. C'est maintenant que Dieu te restaure. Cette souffrance-là, ça remonte et ça sort. Cette blessure, ça remonte et ça sort. Cette blessure que tu traînes depuis des années. Cette blessure, tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Tu te sens loin de Dieu. Tu te sens incomprise. Incompris. Tu ne sais plus à qui parler. Tu ne sais plus comment prier. Tu ne sais plus comment jeûner. Tu ne sais même plus comment méditer la parole de Dieu. Tellement que tu pleures. Tellement que tu saignes. Tellement que tu souffres. Tellement que tu as la mare. Jesus Christ. Le vent de Dieu viens balayer, enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Tu ne vas même plus chercher des prophètes, des pasteurs, des apôtres. Tu vas désormais t'attacher à la parole. Tu vas désormais courir après le Seigneur de gloire. Tu vas désirer tellement sa présence que les gens te traiteront de rebelle. Te penseront que tu es orgueilleux, orgueilleuse. Non, c'est parce que tu es amoureux. Tu es amoureuse de Dieu. Tu veux vivre à Dieu. Tu veux expérimenter Dieu. Tu veux voir Dieu à l'œuvre. Tu veux, alléluia, alléluia. «
ta vie chrétienne change. Change de dimension. Ta vie chrétienne change de situation. Tu changes de statut. Tu changes de niveau. Dieu t'amène dans une dimension de gloire, dans une dimension d'adoration véritable, dans une dimension de consécration. Dieu te consacre encore. Voici sa main sur toi. Tu deviens la consacrée de Dieu. Tu deviens l'élu de Dieu. Tu deviens la femme de Dieu. Tu deviens la femme de Dieu, l'homme de Dieu, le messager de Dieu. Jesus Christ. C'est par la souffrance que Dieu te forme. C'est par la souffrance que Dieu t'amène à une dimension de consécration. C'est par les pleurs, c'est par les larmes, c'est par la confusion selon les hommes. Mais Dieu n'est pas le Dieu de confusion. Il est en train de produire la vie dans ta vie. Il est en train de te faire, alléluia, purifier, te nettoyer, te sanctifier. Ne t'arrête plus sur les dires des hommes. Ça va te détruire. Toi, focalise-toi sur ce que Dieu fait. Dieu a commencé une œuvre dans ta vie. Il veut l'achever. Il veut la terminer. Et il la terminera. Oh, Jesus Christ, alléluia. Dieu est fidèle. Ma fille, je suis fidèle, je m'appelle fidèle, je me prénomme fidèle, je vis, alléluia, dans les cœurs de ceux qui s'aiment, de ceux qui aiment ma parole, dit l'Esprit de Dieu. Pendant des années, nous t'accueillons Jésus de Nazareth avec crainte et tremblement, papa. Oh Dieu, nous t'accueillons. Le maître est là. Le maître est présent. Accueillons-le. Acclamons-le. Accueillons-le. Nous nous inclinons devant ton trône, papa, car nous reconnaissons que nous n'avons pas d'autre Dieu qu'Adonai, Elohim, El Shaddai, Yahweh, oh Yeshua. Nous enlevons nos couronnes, nous quittons nos trônes et nous n'avons aucun mérite. Reçois toute la gloire. Reçois toute la louange. Reçois les actions de grâce. Reçois Jésus de Nazareth.
pas moi qui agis. Parce que vous avez dit que c'est pas moi qui parle. Mon projet de la Bible, je le monte à 3 millions. Je le monte à 3 millions. L'ordre dans la présence de Dieu. Seigneur, nous voulons trembler dans ta présence. Pas de question de chez moi. Nous voulons trembler dans ta présence. Car tu es saint. Adonai. Elohim. Elohim. Dans ma parole, je l'écraserai. Ne vois-tu pas tout ce que je fais? Ne vois-tu pas que c'est moi qui agis? Qu'attends-tu pour te tourner vers moi? Qu'attends-tu pour te tourner vers moi? Moi, je suis prêt à t'accueillir. Quel que soit ce que tu as fait, je ne pardonne pas que le blasphème contre le Saint-Esprit, mais je pardonne tout. Tourne-toi vers moi. Tourne-toi vers moi. Satan est de mon cœur. Alléluia. Dieu est saint. Dieu est redoutable. Ayons cette crainte dans nos cœurs vis-à-vis de ce Dieu grand, tout puissant, dont la présence consume le mal. Seigneur, garde-nous dans ton amour, dans ta présence, papa. Pardonne nos fautes, nos péchés. Père éternel, Dieu des armées, nous ne pouvons nous mesurer à toi, Seigneur. Prends toute la gloire, papa. Oh Dieu, oh Saint d'Israël, tu es saint. Il est saint. Il est saint. Il est redoutable. Il est tout puissant. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant Yahweh. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Qui vient? C'est Yahweh. Et Yahweh qui vient, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce psaume identifie
Yeshua, Jésus-Christ, Yeshua, le Messie, le Mashiach, comme étant Yahweh. Et il vient pour juger la terre. Il laisse les hommes s'auto-gérer, s'auto-diriger, mais il vient mettre de l'ordre. Là où il y a cette confusion, Babylone. C'est pour cela, chrétiens, frères et sœurs, vous qui nous suivez depuis chez vous, chacun de nous doit être prêt pour ce jour. Car après l'enlèvement de l'Église, nous allons, nous chrétiens, passer par le tribunal de Christ. Et chacun rendra des comptes sur la gestion des dons, des ministères qu'il a reçus. Sur la manière dont on aura traité nos enfants. On aura des comptes à rendre, chacun de nous. C'est ce que la parole nous enseigne. Et ensuite, après ce tribunal, après l'enlèvement, on passe par le tribunal, selon 2 Corinthiens 5:10, Romains 14. Après le tribunal de Christ, c'est les noces de l'agneau. Et sur la terre, c'est la confusion. La confusion qui va régner. La troisième guerre mondiale. Après les noces, après le tribunal, on aura des couronnes, ceux qui sont fidèles, ceux qui n'étaient pas fidèles, sauvés bien sûr, parce qu'ils avaient foi en Jésus-Christ. Et ceux qui n'ont pas géré correctement leur don, leur ministère, n'auront pas de couronne selon 1 Corinthiens 3. Après les noces, selon Apocalypse 19, nous allons redescendre. Yeshua devant nous sur un grand cheval blanc. Et nous serons sur des chevaux et on va le suivre. Et Yeshua va nous diriger vers la terre. Il va mettre fin à la grande tribulation, à la troisième guerre mondiale. Frères et sœurs, ne sentez-vous pas que ces choses-là arrivent? Réglons nos vies. Votre manière de vous habiller, même sur Internet, enlevez vos photos là qui séduisent les gens. Enlevez-les. Faites-le vous-même avant que Dieu ne le fasse. Réglez tout ce qui a réglé. Tremblons dans sa présence. C'est le temps où chacun doit entrer dans l'arche. C'est le moment où tu dois donner ta vie totalement au Seigneur Yeshua. Et ne plus être idolâtre. Ne plus être là attaché au bâtiment d'église, au pasteur. Sortez de là. Sortons de là. Frères, sœurs, même moi-même qui vous parle, je vous le dis toujours. Je cours après le Seigneur. Je cours après mon salut. J'en ai besoin. Donc si je cours après Dieu, vous ne courez pas après moi. Non. Allez vers le Seigneur. Criez vers Yeshua. Je n'ai aucune église à vous présenter. Aucune assemblée. Ce n'est que Yeshua, notre maître. Priez Dieu. Méditez la parole chez vous. Priez avec ceux et celles qui craignent Dieu. Ne laissez plus aucun pasteur vous mettre sous son joug pour vous manipuler, vous contrôler. Vous avez été libérés à la croix. Et suivez Yeshua, le bon berger. Ah, Adonai. Adonai. Merveilleux Adonai. Ceux et celles qui veulent se convertir, non à une religion, qui veulent se donner à Dieu pour devenir la maison de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Ceux et celles qui réalisent qu'ils ont besoin de suivre Jésus-Christ, de se donner à Jésus réellement. Venez. Oh, Adonai, tu es vraiment merveilleux. Adonai. On peut aller, Julie?
On acclame le Seigneur pour leur vie. Adonai. Oh Seigneur, regardez toutes ces âmes que Dieu sauve. Pour nos frères et sœurs. Père, merci pour toutes ces vies que tu sauves. Ô Dieu d'Israël, que ces personnes soient sauvées, délivrées. Dieu, écrit vos noms dans le livre de vie ce soir. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth vous purifie de vos péchés. Vous sanctifie, vous nettoie aujourd'hui. Et les chaînes de la mort sont brisées. Les chaînes de la sorcellerie sont brisées dans vos vies. Oh, l'amour du Père vous touche. L'amour de Dieu vous guérit. Il y en a qui sont guéris aujourd'hui par l'amour de Dieu. Oh, l'amour du Père vous inonde. Oh, alléluia. Magnifique est ton nom, Seigneur. Magnifique est ton nom, Seigneur. L'amour que tu n'as pas encore reçu, eh bien le Seigneur te le donne. Le Seigneur te remplit de son amour. De son amour. Toi qui te sens seul, rejeté. Toi qui n'as pas reçu encore l'amour véritable. Voici l'amour du Père. L'amour de Dieu. Qui te guérit, qui te guérit, qui te guérit au nom de Yeshua. Ô Père mon Dieu. Ô Père, ô Père, priez vous qui êtes là devant, priez le Seigneur, priez Dieu dans vos cœurs, priez Dieu pour vos vies. Engagez-vous devant Dieu à le suivre, à le servir, à lui obéir. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes, renonce à la pornographie, renonce au sexe, renonce mon ami à ce péché qui t'éloigne de Dieu. Ta vie sera une louange. Adonai. Tu es vraiment. Ô Dieu de gloire. Voici ta délivrance. Femme. Lâche-la au nom de Jésus de Nazareth. Sois libre, guéri. Dieu voit tes larmes, ta souffrance. Il y a beaucoup d'âmes que Dieu veut gagner par ta vie. Tu es comme la femme samaritaine que dit le Seigneur. Tu es vraiment
mouvement. Que le Seigneur vous remplisse de ses dons, des dons de l'esprit, des dons de parler en langue. Et une sœur samedi dernier à qui Dieu a donné le parler en langue, elle est revenue la semaine avec son mari parce qu'elle ne cesse de parler en langue à la maison. Elle était étonnée, inquiète, mais c'était normal. Le Seigneur l'a visité toute la semaine et son mari se fait baptiser la semaine. Oh, Dieu va vous donner ses dons. Dons de parler en langue, de prophétie, de vision. Oh, alléluia, de discernement des esprits. Au nom de Yeshua, il ouvre vos yeux, il ouvre vos oreilles. Recevez ses dons. Au nom de Yeshua, vos langues se délient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous recevez le baptême de feu. Ah oui. Waouh. Voici le don de l'esprit. Au nom de Yeshua. Voici la grâce de Dieu. Oh Père, merci. Voici les dons de l'esprit de Dieu. Recevez ces dons de l'esprit. Au nom de Yeshua. Recevez ces dons de l'esprit. Oh Père, merci. Oh, il y a quelque chose sur toi. Magnifique le Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu vous remplit de son feu. Jesus. Vous regardez vos places. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Alléluia. Waouh. C'est magnifique. Magnifique. La présence du Père est en ce lieu. Oh, alléluia. Sa présence. Il y a une présence là, la présence du Père. Là, c'est le Père. Ça nous rassure. Ça apporte la guérison, la délivrance. La restauration. Mon frère Sylvain, est-ce qu'il peut venir? Tu veux témoigner? Laurent, je peux avoir le micro, s'il vous plaît. Est-ce que mon frère Sylvain de Niort peut-il venir? Waouh. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Je m'appelle Grâce. Je viens de Lille. D'accord. C'est la deuxième fois que je viens ici. J'ai été touchée en fait parce que la sœur a dit tout à l'heure concernant la repentance et la véritable confession. Je connais le Seigneur depuis que je suis touchée dans les 15-16 ans. Mais je n'ai pas toujours mené une vie correcte devant le Seigneur. Celui qui est mon mari actuellement, et nous avons vécu dans le concubinage pendant un certain temps, bien que je connaisse le Seigneur. Il n'y a pas d'excuse et je voulais saisir cette opportunité pour demander pardon à Dieu. Mais demander pardon aussi aux frères et aux sœurs parce que ce n'est pas un bon témoignage et que certainement par notre conduite, on a été une occasion de chute pour plusieurs. Que vraiment le Seigneur puisse me pardonner, je crois qu'il le fait. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Dieu sera béni. Bon courage. Ouais. Bonsoir mes sœurs et frères. Je témoigne parce que
dans ma vie, je pensais que j'avais déjà accepté le Seigneur, mais sans le savoir que j'étais à côté. Parce que dans nos églises, le Seigneur, après le témoignage de ma fille, le Seigneur m'a parlé, il m'interpelle, que je n'ai pas témoigné, c'est-à-dire que je ne lui ai pas accepté devant sa face. Alors aujourd'hui, il me dit, ma fille, accepte-moi. Aujourd'hui, moi je suis l'Éternel, Yeshua Amashia. Accepte-moi aujourd'hui devant ma face et devant toute l'assemblée. Et je l'accepte aujourd'hui parce que je ne savais pas que dans nos assemblées, il n'y avait pas Dieu. Je pensais qu'il y avait Dieu, mais le Seigneur m'a interpellé maintenant après le témoignage de ma fille. Alors, je dis au Seigneur de me pardonner. Parce que ce que je pensais, ce n'était pas ça. Donc aujourd'hui, j'accepte mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je voudrais marcher devant sa face. Amen. Qu'il me pardonne au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Talia. Et je voulais témoigner devant Dieu parce que j'ai été persécuté pendant 10 ans par des esprits diaboliques. Et de 5 ans jusqu'à 15 ans. Et j'irai jamais remercier le Seigneur. Ça a commencé quand j'avais 5 ans. Je revenais de l'école et il y avait une personne qui me ressemblait et qui me bloquait. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais pas bouger mon corps. Rien. Et il a fallu qu'un membre de ma famille, je ne sais pas si c'est mon père, ma mère, qui est rentré. À ce moment-là, j'ai plus bougé mes membres. Mais je me rappelle, je n'ai rien dit. La deuxième fois, j'étais dans ma chambre. Cet esprit diabolique est revenu et qui me ressemblait. M'a coordonné un coup. J'ai eu très mal. J'ai essayé, quand on tape un enfant, on essaye de se débattre. Je me suis débattu et j'avais très mal. Je n'ai rien dit encore à mes parents. Mais à ce moment-là, un enfant dit à ses professeurs, voilà ce qui se passe chez moi, mais j'ai rien dit, je suis resté avec ce problème-là. Et ça a commencé la nuit maintenant. Je faisais des cauchemars. C'est-à-dire je dormais et il y avait des choses qui me caressaient. Et je me débattais. Je tombais par terre. Ma mère me venait me chercher, me récupérer, me remettre dans mon lit, sans savoir ce qui se passe. Je tremble un peu parce que c'est un témoignage, c'est la première fois que je témoigne de tout ce qui m'est arrivé. Et un jour encore, j'étais avec ma mère. Ma mère ne connaissait pas Dieu. Donc, quand on voyait deux personnes qui essayaient de se protéger, mais tu ne connais pas Dieu, tu ne peux rien faire. Il y avait un esprit encore qui est venu, qui était lumineux, qui tournait autour de moi. Et je disais, mais qui vous êtes? Qu'est-ce que c'est? Devant ma mère. Ma mère ne comprenait rien. Elle essayait de me protéger. Et ça a continué les cauchemars. Un esprit diabolique qui pourchassait sa proie. Mais il n'arrivait pas. Pendant des années, j'ai fait des cauchemars. Des cauchemars bizarres. Comme si on voulait me manger. Et un jour, j'avais 9 ans. Ma mère était à Pointe-Noire. Et moi, j'étais resté avec mon frère et mon père. Un jour, mon père sort. Quand il sort, je suis resté avec mon frère qui s'appelle Christopher. Et il y avait un esprit diabolique qui ronflait dans la chambre des invités.
tranquillement et ronflait. Et on s'est regardé avec mon frère. Oh, il y a quelqu'un dans la maison? On savait qu'on était deux. Il ronflait, mais on savait que c'était pas un ronflement normal. Et on est allé vers la porte. On s'est arrêté. On a demandé s'il y avait quelqu'un. Il ronflait toujours. On est parti se rasseoir au salon, puisque ce jour-là, on regardait la télé. Et il continuait à ronfler, tranquillement. Le soir, je suis rentré dans ma chambre. Et j'étais un peu angoissé, parce que je savais que ça pouvait être moi. Et cet esprit diabolique, bon, il y avait un mur au niveau de nos chambres, donc ça veut dire on entend de l'autre côté. Mon père était là, il était dans sa chambre, mon frère était en haut. Et j'ai entendu dans l'autre chambre, il y avait ça bouger. Et je savais qu'il allait venir. Et j'entendais dans les couloirs des bruits. Et cet esprit diabolique, il est venu dans ma chambre. Il tournait autour de moi et je fléchissais mes yeux. J'avais mes yeux qui fléchissaient. Et je comprenais pas. Je comprenais pas. Ça a duré 10 minutes. Il est reparti. J'ai dit à ma mère, je me rappelle, bon, je pense me rappeler, j'ai dit, maman, il y avait, quand tu n'étais pas là, il y avait quelque chose de bizarre. Et j'allais à l'école. Et je faisais 10 voyages des fois, j'allais à la Pointe-Noire pour essayer qu'on me lave. Parce que l'ampleur était tellement flagrante, tout le monde savait qu'il y avait un problème. Et je faisais 10 voyages, les professeurs, on ne comprenait rien. Dans l'année, hein, ça pouvait être de novembre, n'importe quel mois. Je partais 2 semaines et je revenais. Pareil, rebelote. Je partais au foot à l'âge de 9 ans, 10 ans. J'étais content d'être avec mes amis. Mais le soir, je savais que j'allais souffrir. Et ça s'arrêtait à 15 ans. J'ai jamais remercié le Seigneur parce que le jour où ça m'a fait plus peur, c'est le jour où je parlais, où j'étais dans la chambre avec mon frère. On a entendu l'esprit diabolique. Mais j'ai jamais remercié le Seigneur après cela. Ma mère se mettait en prière, 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 prière. Et Dieu m'a sauvé et j'ai jamais reconnu. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Et je remercie le Seigneur. Amen. Alléluia. Waouh. Dieu est bon, hein, mon grand. Tu vois. Oh, Seigneur, merci. Merci pour ce jeune homme, Seigneur, mon Dieu. Oh, alléluia. Tu vas prêcher l'évangile partout. Seigneur, merci pour la grâce. Au nom de Yeshua. Tu es sa maman. Waouh. Mon grand, tu vas... J'ai un mot à dire. Ah ouais, pas de problème, tiens. Quand je vais... je sais qu'il y a la sorcellerie, hein. Et au Congo, quand j'arrive à Pointe-Noire... Tout le monde entend, là, hein? Qu'ils ont entendu bien un peu. Dans Marc, j'ai lu dans Marc, mm-hmm. J'ai écrit chapitre 16. Marc, chapitre 16. 17. Mm-hmm. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser les démons, mm-hmm. parler de nouvelles langues, etc. Mm-hmm. Bon, j'espère que là, ça me filme bien. Les sorciers Billy, hein, qui se disent les grands sorciers au Congo, là. Mm-hmm. Sachez que nous, on a Jésus de Nazareth. Alléluia. Les sorciers Yombe, Bushi, ou je sais pas quoi, Badeke, là. On a Jésus de Nazareth. Et il n'y a personne qui va être au-dessus de ce homme, Jésus, l'Esprit Saint de Nazareth. Voilà, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Waouh. Que Dieu te garde. Alléluia. Amen. Amen. C'est bon, c'est allumé. Je suis la maman de Taliane. Il s'appelle Taliane. Vraiment, le message est trop long. Mm-hmm. Le témoignage est trop long. Mm-hmm. Je veux couper seulement. J'aurai un jour où je vais témoigner. Vous pouvez venir même la semaine prochaine faire une émission voilà. Là-dessus.
avec toi. Ok, c'est ce que j'allais demander même à Eric. C'est bon. J'allais prendre rendez-vous. C'est bon. C'est que je veux parler parce que vraiment, c'était la chaleur. Depuis, ça fait 3 fois qu'ils viennent ici. Bon, moi, j'ai prié d'abord à Créteil. C'est à Créteil où j'ai prié. D'accord. Mais ils ne partaient pas avec moi. D'accord. Comme le papa coincé, il ne voulait pas que les enfants viennent avec moi. D'accord. C'était dur. Mais tout d'un coup, c'était au mois de juillet, là, le Seigneur me dit, tu auras la chaleur, il y a la chaleur, le feu qui va... Lui, je dis. Après un moment, lui, il dit, maman, il faut que je parte à l'église. Je dis, Seigneur Jésus, tu changes les choses. Ils n'ont jamais dit, on part à l'église. Wow. C'était la chaleur, c'était vraiment... Il dit, oh là là, le corps, maman, je crois, maman, il faut m'amener. Je dis, mais il faut partir avec Eric. Eric téléphone, ils viennent avec Eric. Maman, là-bas, maman, moi, je dis, oh, papa, viens. Et puis, quand il est venu, il dit, maman, il faut que je me baptise. Wow. Il y a 2 jours, le chef. Même si on te demande, maman, ne mange pas d'abord, viens, on va faire une prière. Je dis, bon, d'accord, on va faire dans la chambre. Maman, hier, c'était du scénario. J'ai dit, Seigneur, il me dit, maman, à 1h du matin, il veut me réveiller. Maman, au nom de Jésus-Christ, moi, je sais que vraiment, il veut me perturber. Il ne veut pas que vraiment je puisse être à l'œuvre de Dieu. Mais il a prié, j'ai dit, Seigneur, il dit, maman, je prends la décision. En tout cas, tous les sorciers, ils vont... J'ai dit, c'est fini, il n'y a plus de sorciers. Quand tu es en Jésus-Christ, le sorcier est sous tes pieds. Amen. Donc, il a écrasé déjà les sorciers. Oui, maman. J'ai dit, vraiment, c'est le feu. Donc, vraiment, il est venu ici. Tu veux baptiser, hein? Il veut se baptiser. Tu veux te faire baptiser aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Wow. Toi aussi. Ok, ben, reste là, toi qui veux le baptême. Tous ceux qui veulent le baptême, venez. Venez ici, vous qui voulez le baptême. Ceux qui veulent le baptême. On acclame le Seigneur pendant qu'ils avancent, là, tout ça, là. Tu veux le baptême aussi? Alléluia, gloire à Dieu. Ça, c'est le faux Jésus qu'on présente là-bas, là. C'est un faux Jésus. Là, tu vas voir le vrai Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Ceux qui veulent le baptême, venez avec moi, ceux qui veulent le baptême aujourd'hui. Magnifique est le Seigneur, frères et sœurs, c'est beau ce que Dieu fait. Ouh, c'est magnifique. Alléluia. Alléluia. C'est beau ce que Dieu fait. C'est beau, c'est magnifique. Alléluia. Alléluia. Regardez l'œuvre que Dieu fait dans nos vies. Waouh, magnifique le Seigneur. Tu veux le baptême aussi, mon grand? Oui. Tu veux le baptême aussi? Quel âge as-tu? J'ai 9 ans cette année, le 16 septembre. 9 ans cette année, le 16 septembre. Et tu veux te faire baptiser? Oui. Waouh! Ta maman, elle est où? Juste là. Elle est juste là. Tu es d'accord pour que... Comment tu t'appelles? Marvin. Waouh! Maman est d'accord? Papa est d'accord? Tout ça? Gloire à Dieu, Marvin. Magnifique le Seigneur. Regardez toutes ces personnes qui veulent le baptême, frères et sœurs. Comment, combien Dieu est grand. Waouh. Magnifique le Seigneur. Venez ici, à mes côtés, venez. Venez, on va prier pour vous. Jésus règne, il règne. Jésus règne. Le baptême aussi. Venez par ici, mon Dieu. Waouh. Qui voit l'œuvre du Seigneur, mes amis? Toutes ces âmes. Mon Dieu. Magnifique. On va vous baptiser tout à l'heure, tu voulais, ouais. D'accord, tu viens confesser. Je sais que
septembre. On m'a initié à la cartomancie. D'accord. Quand j'étais très jeune. D'accord. J'ai eu un petit garçon de 17 ans. D'accord. Que j'ai avec son papa, on s'est pas mariés. D'accord. On est séparés. Et à l'âge de mes 25 ans, j'ai développé un cancer. D'accord. C'était une grossesse en fait. Mm-hmm. Et en fait, ça s'est devenu une grossesse molaire et en fait, ça a dégénéré et ça s'est terminé en une molle calciforme en fait. D'accord. Donc on m'a retiré l'utérus et on m'a laissé les ovaires. Grâce à Dieu, je suis encore en vie, j'ai pas eu de chimio. Il y a eu et au bout d'un mois, j'étais guérie. Mm-hmm. Amen. Par la suite, Dieu, ce qu'on dit, profiter de la vie. Et j'ai fait n'importe quoi. Mm-hmm. J'ai beaucoup été avec les hommes. Avec les femmes aussi. Wow. Je demande pardon, Seigneur. Quel mec est là, faire l'endouille. Je sais tout. Je suis tombée dans la sorcellerie. Ce n'est pas une excuse pour me défendre, j'ai appris. Et je suis tombée dedans. Wow. Je suis partie 3 ans dans le sud, vivre avec une femme. J'ai payé. J'avais beaucoup de dettes, je n'avais plus rien, j'étais obligée de laisser mon fils à son père. Et j'ai tout réglé, mes problèmes. Je suis revenue chez mes parents, mon papa m'a appris m'a sa porte et j'ai vécu chez eux. Et mon père avait un caractère très très dur. Ma maman a beaucoup souffert. Mmh. Et j'ai désiré sa mort. Aujourd'hui, je le regrette. Je demande pardon. Que Dieu soit béni. En effet, je demande pardon. Je sais qu'il va y avoir du monde qui va me voir. Mais tant pis. Pour l'instant, c'est très dur parce que j'essaie de passer à ma famille. Parce que ma maman, je voudrais qu'on prie pour ma maman et pour ma soeur qui sont malades. Parce que mon papa est parti de la souffrance. Et ma maman, depuis, a des choses qu'on ne s'explique pas. Les médecins ne trouvent pas, elle n'a plus de salive dans sa bouche, elle a des douleurs dans le ventre. Et on ne sait pas ce que c'est. Et j'ai l'impression que mon père reste accroché à elle. Ma sœur a une spondylarthrite ankylosante. Elle a beaucoup de force, donc elle avance. Mais je voudrais comprendre parce que... Ils ne sont pas encore touchés par Dieu. Elles m'ont dit que j'étais illuminée, que c'est pas grave. Que j'étais dans une secte. Donc j'ai dit à ma maman que j'étais dans la secte de Jésus, que j'y resterai jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On a beaucoup de mal à comprendre, mais je sais que c'est ce qui ça se passe comme ça. Et je voudrais compris pour... Je voudrais demander pardon, 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 pardon. Je vais vous humilier devant le Seigneur. Je voudrais demander aussi pardon à Fernando, parce que j'ai brisé des couples. Il y a 6 ans, nous étions ensemble, ça faisait 3 ans, je suis partie avec quelqu'un, j'ai brisé un couple. Je suis restée 3 ans avec et j'ai énormément souffert, j'ai été battue, j'ai été violée. J'ai payé. Et il y a 4 mois, je me suis séparée de cet homme. Nous nous sommes revus et grâce à Dieu, il m'a pardonné. Et je sais que je l'ai fait énormément souffrir. Et je lui demande pardon aujourd'hui devant tout le monde. Je lui dire que je l'aime. Je sais que c'est dur en ce moment. Je sais que c'est très dur parce que nous étions beaucoup dans le charnel et c'est compliqué. Mais on s'est rendu compte d'une chose cette semaine, c'est qu'on s'aime encore plus. On n'a plus de rapport sexuel, mais on s'aime encore plus, ça renforce notre amour. Donc voilà, je demande pardon. Je demande pardon au Seigneur. Je l'aime de tout mon cœur. C'est très dur, j'ai arrêté la cigarette depuis hier soir 8h. C'est très dur. J'ai arrêté le cannabis qui m'a suivi toute ma vie depuis une semaine. C'est très dur. Et je prie pour que... Fernando me comprenne et qu'il soit touché, que ma famille soit touchée. J'ai fait beaucoup de mal et je demande pardon. Je demande pardon.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va prier pour elle. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Et je vais me faire baptiser, bien sûr. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est magnifique. C'est beau. Amen. Oui. Tu veux le baptême tout de suite? Oui, parce que bientôt on va partir. Vous allez partir bientôt, donc tu ne veux pas partir. Mais ma mère, elle va travailler alors. Alléluia, gloire à Dieu. Ben oui, c'est bien, c'est bien. Eh ben, ok. Donc, on va vous baptiser tout de suite alors. Tché est où là? Mon frère Tché. Eh ben, suivez mon frère Laurent qui est là. Et ma soeur Gloria qui est là pour les soeurs. Pour baptiser les femmes. Suivez ces deux personnes. On va vous baptiser au nom de Yeshua. Vous inquiétez pas, même s'il fallait prier pour la délivrance, la guérison, avec le baptême, le Seigneur met sa main, il n'y a pas de souci. Allez-y. Vous inquiétez pas. Oui, oui, jeune homme. Oui, bonjour. Bonjour. J'aimerais témoigner de la gloire, enfin de la grâce que Dieu m'a accordée. Mm-hmm. Cette année, alors j'étais en terminale. Uh-huh. Et grâce à Dieu, il m'a touché. Et j'ai pu le connaître aujourd'hui. Amen. Il m'a donné le bac. Amen. Il m'a donné le permis. Et wow. Il m'a donné 18 ans. Wow. Donc franchement, j'aimerais le remercier pour tout ce qu'il fait et qu'il va faire dans ma vie. Parce que dans ma famille, je suis le seul à prier. Et j'aimerais vraiment que ma famille soit touchée. Donc merci Jésus. Et voilà. Amen. Il va le faire. Tu habites où? J'habite à Coucouronne. À Coucouronne. Lundi, ça te dit de venir faire l'émission avec moi? Oui. Comme ça, on va discuter encore plus. D'accord. Que Dieu soit béni. Merci. Alléluia. Waouh. 18 ans avec Jésus, bac, permis. Grâce à Jésus, c'est beau. Alors, allez-y pour le baptême. Amen, gloire à Dieu. Suivez pour le baptême. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, tous ces hommes et ces femmes qui se font baptiser aujourd'hui, Dieu travaille. Une confession en même temps. Ok, ok, on arrive. On arrive. Tu veux confesser aussi? Tu veux rendre témoignage? Tu as déjà confessé, mais ce serait bien de le dire aussi, frères et sœurs, comment d'où Dieu t'a sorti. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. On arrive, on arrive. Ça va aller. Ça va, hein? Dieu est bon. Confessez quelque chose. Ok. C'est pour la confession? Confession aussi. Confession aussi? Waouh. Tout le monde veut confesser. Vous voyez ce que Dieu fait, frères et sœurs? C'est magnifique, c'est magnifique. Confession aussi? C'est quoi? Le baptême. Le baptême? Eh bien, tu es en retard. Suis le train. Rattrape le train qui est là-bas. Alléluia, mon grand, que Dieu soit béni. Voyez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le jeune homme qui est là, il est où? Mon grand. Ça va? Qu'est-ce que tu veux? Je veux me faire baptiser. Quel âge as-tu? 8 ans et demi. Maman est d'accord? Oui. Ah bah tu peux suivre le train qui est parti là-bas. Gloire à Dieu. Tu te rends compte, mon frère Sylvain? Hein? Dieu est bon, hein? Je suis vraiment très content d'être avec mon frère. Il y a des frères et frères, hein? Dieu, il faut apprendre à témoigner aussi des frères et sœurs. Voilà, donc c'est un frère que le Seigneur aime beaucoup. C'est un ex-délinquant qui a fait de la prison. Je me rappelle quand on est arrivé à Bressuire. Et tu étais en prison, hein? Où tu viens de sortir? J'étais en prison. J'étais en prison. Dieu l'a touché. Ça fait combien de temps maintenant? Presque 10 ans. Presque 10 ans, ouais. Depuis sa conversion. C'est le grand frère de notre sœur Julie qui chante. Voilà. Donc, et on veut recevoir aussi les parents, papa et maman, si vous pouvez. Nous voulons vous honorer. Alors, papa était un grand branhamiste. Et que Jésus-Christ a touché, frères et sœurs. On peut acclamer le Seigneur pour cette famille. Que Dieu soit béni pour votre présence, ça nous honore. Que Dieu soit béni. Et donc depuis, Sylvain travaille à Niort. Et frères et sœurs, vous qui nous suivez depuis le monde entier, vous savez que nous ne recommandons pas les églises des pasteurs, mais nous pouvons témoigner des frères et sœurs, parce que c'est biblique. Et voilà. Alors on partage le même message. Ils sont venus aujourd'hui, il y a combien de voitures là? À peu près 9. Il y a 6 minibus et 3 voitures. Et malgré ce que Dieu fait dans sa vie, Dieu l'utilise puissamment, il reste simple. Et je bénis Dieu pour sa femme également, Nathalie, qui est là. Elle est où, Nathalie? Que nous voulons aussi accueillir avec joie. Merci pour votre présence. Merci. Ben, tu peux venir, tu peux venir. Ils ont un puissant témoignage, frère.
Et d'ailleurs, si vous le voulez bien, vous qui êtes de Niort là-bas, dimanche prochain, j'ai à cœur de venir encore là-bas. Là. On va être chez vous là dimanche prochain. Alléluia. Ah ouais. Pourquoi? Parce que quand je suis à Niort, je me sens chez moi. Amen. Parce qu'on prêche le message, on vit le message et Dieu travaille. Et voilà. Donc, on sera là avec les frères sur le TV de vie pour vous encourager. Nathalie, comment vas-tu? On s'est déjà salué tout à l'heure. Dieu est bon. Donc, il y a aussi un deuxième qui arrive là. Comment ça se passe? Hein? Dieu a fait grâce, hein, vraiment là. C'est beau. Hein? Oui. Amen. Alléluia. Donc, voilà, soyez vraiment fortifiés, encouragés, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Tu avais peut-être quelque chose à dire, hein, Sylvain? Oui, je voulais quand même profiter de l'occasion, pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, quand même pour toucher deux, trois éléments par rapport à l'œuvre que Dieu opère au milieu de nous et dans nos vies. Et nous savons que la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Quand nous voyons toutes ces conversions, les gens qui veulent mettre leur vie en règle, nous voyons les cœurs qui se tournent vers le Seigneur et les miracles qui s'opèrent, les délivrances, les guérisons. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça, frères et sœurs. Et beaucoup de personnes, pendant que le Seigneur était sur la terre, alors que beaucoup d'Israélites ont prié, ont crié à Dieu pour la venue du Messie, ils attendaient impatiemment la venue du Messie. Lorsque le Messie est venu, ils sont passés à côté parce qu'ils étaient charnels et ils jugeaient par l'apparence. Le temps est venu où le Seigneur enlève le voile et pour que ses enfants puissent voir sa gloire. Et tous ceux qui sont de Dieu, tous les brebis du Seigneur reconnaissent la voix du bon berger. Alléluia. Et je voudrais aussi dire que personne ne peut arrêter ce travail que Dieu est en train de faire. Nous sommes tous témoins. Alors autant se ranger du bon côté. Amen. Alléluia. Amen. Gamaliel l'a dit, pendant que les autres combattaient l'œuvre de Dieu, il a été sage. Il a dit, si ça vient des hommes, tout va s'écrouler. Mais si ça vient de Dieu, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Voilà, soutenons cette œuvre comme nous le faisons déjà dans la prière, dans les soutiens, les dons. Et levons-nous aussi, parce que l'objectif du réveil, c'est que derrière, nous puissions saisir et nous lever, que nous soyons nombreux. Embraser la France et les nations, c'est la volonté du Seigneur. Voilà. Amen. Je voudrais préciser aussi qu'il y a d'autres frères et sœurs aussi que nous encourageons qui sont en province. Et c'est des frères qui se lèvent pour la vérité, pour vraiment dénoncer le système religieux. Avec l'autonomie, maintenant, là, on va tourner. On va tourner. Amen. Donc, on sera à Niort pour s'encourager samedi, dimanche prochain. Au nom de Yeshua, parce qu'il y a des frères et sœurs de Poitiers. Amen. Il y a beaucoup de frères et sœurs de Poitiers qui sont venus pour les gens de Poitiers, qui sont venus pour Didasco aussi. Amen. Qui sortent du combat spirituel là-bas. Là. Alléluia. Ah oui, ils sont connectés là. Donc tu vas donner les coordonnées tout à l'heure. Okay. Parce que ils vont faire une émission là tout de suite après. Tous les frères et sœurs de Niort, Poitiers, ils vont animer un programme là. Et sur TV des vies pour, n'est-ce pas, partager la parole avec vous. Donc tu vas prier avec moi pour les malades. Là. Que Dieu soit béni. On va profiter de ta grâce aussi pour bénir les frères. Gloire à Dieu. Donc, vous voulez confesser quoi exactement? Oui. Je voulais confesser le péché d'avortement. Avortement, d'accord. Ouais. Combien d'avortements tu as fait? Deux. Deux avortements. Oui. Et je remercie le Seigneur parce qu'il est fidèle. Mm-hmm. J'ai toujours cherché à honorer Christ et je lui remercie. Amen. Pour Gloire sa fidélité. Donc, soyez brefs aussi dans vos témoignages. Comme vous êtes, il y a beaucoup de gens. Tu veux confesser quoi? Bonjour. Bonjour. Donc moi je voudrais confesser pour mon avortement. L'avortement, ouais. Amen, amen. Confesser quoi? Pour confesser? Confesser quoi? Oui, bonjour mes frères. Bonjour. Voilà, je confesse le même péché qu'a confessé une de mes soeurs. Mm-hmm. Il y a plus de 40 ans, j'ai avorté une fois. J'ai avorté une fois il y a 40 voilà. ans. Je l'ai avoué. D'accord. Je me suis repentie. D'accord. Mais le Seigneur n'était pas présent. D'accord. Et je sais qu'ici, il est présent. D'accord. Alors, donc tu en profites quoi? Je profite pour confesser, amen. Pour demander pardon à Dieu. Amen. Et que comme j'ai une maladie de cœur aussi, j'espère qu'il y en a qui vivent. Oh, on va prier pour ça. On va prier pour ça. Mon grand, c'est quoi? Moi, c'est parce que quand maman, elle me parle, donc j'écoute pas. T'es rebelle. Tu es têtu. À peu près. À peu près. D'accord. Et tu veux confesser ça? C'est bien.
C'est bien. Et toi? Moi, c'est que je fais des rêves bizarres en ce moment. En ce moment, tu fais des rêves bizarres? Oui. D'accord. Ok, on va prier pour toi. Bonjour. Donc, moi, bonjour. J'aimerais confesser aussi l'avortement. L'avortement? Très jeune, à l'âge de 21 ans. D'accord. Donc, j'ai commis un avortement. Donc, je demande pardon au Seigneur et je me repens de ce péché. C'est bien. Et toi? Bonjour. Je rajoute, bonjour. Que la paix soit avec vous. Amen. Je rajoute quelque chose, parce qu'en fait, compte, elle a dit l'avortement, mais en fait, compte, nous, on a 3 enfants ensemble. Mm-hmm. Et j'en ai 2 autres encore. Mm-hmm. Ça me fait 5, on s'est déjà vu. Mm-hmm. Voilà. Et on n'est pas mariés. On n'est pas mariés. Mais on a passé beaucoup d'épreuves. D'accord. Et c'est quelque chose de très difficile. Et bon, je sais que moi, dans ma vie, il y a eu de la sorcellerie et tout ça. Et on m'a fait beaucoup de mal. On nous a fait beaucoup de mal, quoi, en fait, compte. Et je sais qu'aujourd'hui, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, compte, on vit. Là, actuellement, on se bat pour le mariage, on se bat pour que les choses se passent. Mm-hmm. Mais on n'a plus de rapport. C'est bien. Il faut se sanctifier. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, ce courage, je sais que Dieu me donne beaucoup de courage. Et quand j'ai arrêté la cigarette, c'est juste, j'ai pris la cigarette, parce que j'ai entendu ce témoignage, et j'ai pris la cigarette, et j'ai pris une cigarette, j'ai fumé 3 tafs, j'avais jeûné 1 semaine, et je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, Satan, c'est la dernière fois que je te donne à manger, c'est fini, le Pâques et le mariage qu'on a fait ensemble, c'est fini entre nous. Mm-hmm. Et le lendemain matin, j'ai plus fumé, ça fait 3h30, je ne fume plus. Que Dieu soit béni. Et Dieu m'a donné fait grâce, dès que j'ai bu un peu d'alcool, je l'ai revomi, et depuis, je bois ni l'alcool, ni cigarette. Comme je suis des Antilles, je ne bois même pas de rhum non plus. Fini tout ça. Ça ne me manque pas. Que Dieu soit béni. C'est la totale. Donc, que Dieu soit béni. Alléluia. Soyez bref, sinon tout le monde ne pourra pas parler. D'accord? Soyez bref, voilà. Je veux confesser tant. On passe à autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Vous voyez, c'est pas évident. Merci. Jeune homme. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Meshak. Meshak. Comme Daniel, tout ça, là. Ouais. Les amis de Daniel, ok. En fait, avant de confesser, je ne voulais pas confesser. Tu ne voulais pas confesser, ouais, d'accord. Je ne voulais pas confesser. Donc, un jour, parce que je fais du foot, j'ai mal à la jambe. Mm-hmm. À chaque moment, je suis allé à l'hôpital, tout et tout. Fait échographie, radio, on dit, j'ai rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Maintenant, je suis allé voir une podologue, elle m'a dit, non, il n'y a rien. Après, elle m'a dit, bon, c'est de faire les séances de kiné. J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais la nuit, je rêvais. Pour faire une séance de kiné, mon grand-père il est décédé, ma grand-mère elle est décédée. Mm-hmm. Je les ai vus en rêve, ce qui m'a paru bizarre. Mm-hmm. Là, j'ai commencé à parler à ma grand-mère, j'ai dit, mais toi, tu es vieux, il faut accepter Jésus pour être sauvé, un truc comme ça. Sinon, mm-hmm. Le jour que tu vas mourir, pourtant, moi-même, je n'ai pas accepté Jésus. Mm-hmm. Donc, j'ai parlé comme ça à ma grand-mère. Mm-hmm. Okay. Après, j'ai dit, bon, là, j'étais là, je vais faire ma séance de kiné. J'arrive là-bas, je vois une femme noire. Bon, attends, normalement, c'est une femme blanche qui devait me recevoir. Mm-hmm. Une femme noire, je vois l'endroit est tellement sale, je n'arrive même pas à comprendre. Il dit, avec ça, tu as des clients? Elle dit, non, il dit, pourquoi elle dit, je suis sorcière? Elle t'a dit qu'elle est sorcière? Oui. Dans une vision? Bon, en vrai, comme ça? Non, oui, en vrai, je la vois, mais je rêvais, au fait. Ok. Donc, elle m'a dit qu'elle est sorcière. J'ai dit, quoi? Je voulais sauter, elle a lancé une poudre sur moi. Non, je ne voyais pas clair. Tout ça, donc, j'ai fui, mais je voyais des gens qui couraient derrière moi. Même quand j'évoque le nom de Jésus, ça fait rien. D'accord. Il dit, ah, si c'est comme ça, ils veulent me tuer, quoi. Là, je vais chercher à... Mais tu veux confesser quoi maintenant? Non, je vais confesser. D'accord. Dit, okay. Là, quand je suis venu pour la première fois, j'avais tellement d'hommes. J'ai dit, non, je ne pouvais pas confesser comme ça. Mm-hmm. Je vais aller voir le pasteur. J'ai mis des heures. Le pasteur, il voulait pas me refuser. J'ai dit, non, je suis fatigué. J'ai dit, non, cette fois-ci, je ne vais pas aller. Mm-hmm. J'ai dit, ok. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, il a parlé de ça. Il a parlé du jeune, il a parlé de ça. Bon, je suis un jeune Africain, je viens d'arriver en Europe. Exactement, je suis arrivé. Moi, quand je suis arrivé en Europe, moi, la première chose, j'aimais tellement les filles. En tout cas, les jeunes aiment les filles. Donc, j'aimais les filles. Moi, j'ai vu une personne, je pensais que c'était une femme. En réalité, la personne avait visé les femmes, tout et tout, les seins, tout et tout. J'ai dit, ok. C'était en Espagne. Oui, c'était en Espagne. C'était un homme. Ouais, c'était avec un homme, des seins. Avec des seins. Je ne savais pas. En tout cas, je ne savais pas. D'accord. Ouais, je ne pouvais pas mentir, je ne savais pas. D'accord. Ouais. C'est la première fois que tu voyais cette. Ouais, c'est la première fois parce qu'en Afrique. Tu voyais ça. Ouais, tout en Afrique, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Bon, s'il y a ça, peut-être, mais je sais pas. C'est caché, quoi. Ouais, c'est caché. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Bon, je sais pas. Je vois une belle femme comme ça, j'ai dit, ok, vas-y, si c'est comme tu ça. Tu l'as dragué? Non, je ne l'ai pas dragué.
Je ne l'ai pas dragué. La c'est femme m'a dragué. Qui t'a dragué. La femme m'a dragué. D'accord. L'homme m'a dragué. Voilà. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci alors. Là, je suis allé avec la femme, tout et tout. Donc, depuis ce temps, ce truc venait tout en l'esprit. Et puis, il y avait des femmes âgées aussi, j'ai parlé tout et tout, qui me draguaient tout et tout. Et donc, il y avait tous ces problèmes. Mais ce qui est bien dans tout ça, quand je me suis repenti tout et tout, j'ai dit, je vais m'en baptiser. Même faisait nuit, c'est juste, je ne sais pas qui m'a baptisé, il est là. Mm-hmm. J'ai dit, je vais m'en baptiser, m'a dit, pas de soucis. J'ai pris mon baptême tout et tout, j'avais pas de Bible, j'ai demandé une Bible, on m'a donné des brochures tout et tout. Mm-hmm. Donc, je suis allé à la maison, j'ai commencé à prier, j'ai prié. J'ai dit, ah Dieu, tu m'as baptisé, tu avais dit, je suis une nouvelle personne. Mais tu m'as baptisé de l'eau, moi je veux le baptême du Saint-Esprit. Mm-hmm. J'ai commencé à prier. Et le baptême est descendu, le Saint-Esprit est descendu sur moi, j'ai commencé à prier. Mais quand tu as le Saint-Esprit à toi, mon frère, laisse-moi te dire, quand tu as le Saint-Esprit à toi, tu peux prier pendant des heures. Chaque nuit, j'ai commencé à prier. Alléluia. Ribalabala, shabala, jindabalabala. Wow. Jesus Christ. Ah là, c'est magnifique ce que Dieu fait. Voilà une âme que Satan commence à utiliser là. Laisse-moi te dire, quand tu as le Saint-Esprit à toi, frère, il n'y a rien. Mm-hmm. Tu peux parler pendant des heures, prier pendant des heures, la nuit, tu te réveilles, tu parles de Jésus seulement, tu implores sa grâce et lui-même, il s'incarne à toi, tu fais des gestes, quand il t'enseigne tout et tout, tu arrives à comprendre. Malgré que je n'avais pas la Bible, frère, je n'avais pas la Bible, mais Jésus m'a saigné au nom de Yeshua. Amen. Jésus qui m'a saigné, j'ai compris ça. Jésus qui m'a saigné. Alors maintenant, tu n'as plus envie d'aller avec les hommes et les vieilles femmes, c'est fini tout ça là. C'est fini. Gloire à Dieu. Comment? J'ai dit actuellement c'est Jésus. Tellement il m'enseigne. Franchement, ce que j'ai dit, il m'enseigne. Parce que j'avais peur maintenant. J'ai commencé à parler en langue tout et tout. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça quoi? C'est un esprit qui est venu me prendre. J'ai dit, Jésus, si c'est toi. Parce que j'ai demandé à Jésus même de m'enseigner. Et quand je prends le brochure, quand je commence à parler, je vois mes mains même qui ouvrent. C'est comme si il ouvre mon esprit, je commence à parler. Il m'enseigne. À un moment, j'ai commencé. Bon, pour parler en langue, franchement, j'ai demandé. Et tu l'as reçu? Ouais, j'ai demandé. Et mon ventre a commencé à bouger. J'ai commencé à murmurer. J'ai dit, Jésus, je ne veux pas que mes lèvres prennent d'autres mots. Bon, dans le monde, je vais parler de toi. Mes lèvres se ferment. Et puis, c'est comme si je parlais de Jésus. Après, j'ai demandé à parler la langue. Mon ventre a commencé à bouger. Mes lèvres ont commencé à murmurer. Une voix a commencé à sortir. J'ai commencé à parler. Mais en tout cas, quand tu parles, tu ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je ne savais pas c'était quoi. Mais franchement, Alléluia. Ça glorifie le nom de Dieu. Ça glorifie le Seigneur. Ça glorifie le nom de Dieu. Gloire à Dieu. Ton petit frère dit que tu es fou. Donne-moi ta main, mon grand. C'est bien. Bienvenue dans le royaume du Père. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon, tu auras une vie normale avec une femme qui craint Dieu. Au nom de Yeshua. C'est fini ça, les créatures bizarres là, tout ça, là, c'est fini. Gloire à Dieu, c'est bon. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est bon, vous pouvez rentrer, ouais. C'est bon, c'est parfait. C'est bon. C'est réglé. C'est réglé. La confession? C'est quoi? J'ai fait, en fait, avant, j'ai fait deux assemblées. Bah, la dernière en date, c'est le combat spirituel. Et malgré que j'étais là-bas, en fait, je savais que c'était pas bien de faire l'adultère. Mais je suis sorti, en fait, parce que je suis sorti avec une fille. Et elle m'avait dit qu'en fait elle était mariée, mariage forcé, les trucs des Maliens, tout ça là. Et moi en fait j'ai dit que le mariage je comptais pas. Donc le matin je me suis dit bah en fait elle voulait pas, donc et je suis sorti quand même avec. Et quand vous avez dit en fait que le pasteur il a couché avec la femme et il est mort sur le coup, je me suis rappelé de la scène. Je lui ai déjà demandé pardon en fait en public, mais par rapport aux gens qui parlaient, qui disaient que non, faut dire devant Dieu, même au combat, j'avais déjà confessé. Okay. Mais là, je le dis devant Dieu que voilà, et que je le remercie parce que j'aurais pu mourir. D'accord. Et je suis toujours là. Donc, vous tous, ça, c'est pour confesser. Venez par ici, on va prier pour vous. Venez. Toi aussi? Moi, c'est pour un témoignage et c'est pour prier pour ma soeur. Pour un témoignage? Oui. Waouh, c'est quoi le témoignage? Samedi dernier, vous avez prié pour moi parce que depuis que je suis toute petite... Ça avait mal au dos. Oui, voilà. Ah, je me rappelle. Ouais. Et puis quand je suis repartie m'asseoir, je tremblais. Mm-hmm. Et puis finalement, j'ai plus mal. T'as plus mal depuis? J'ai plus mal. T'avais mal depuis combien de temps? Bah, ma mère, elle m'a dit que c'était depuis que j'étais toute petite. Depuis l'âge de 6 ans. Et là, t'as plus rien. T'es sûre de toi que t'as plus... Oui. Oh, bah, Seigneur, le Seigneur.
Alors, toi, c'est quoi le témoignage? Parce que j'oublie les choses très vite. T'oublies tout le temps? Oui. Waouh, on te vole l'intelligence. Seigneur, que cet enfant soit guéri. C'est réglé. Vous savez, quand Dieu me pousse à dire c'est réglé, ne cherchez pas encore des complications. On marche par la foi. C'est réglé, c'est réglé. D'accord? C'est parce qu'on veut absolument qu'on donne des gris-gris. C'est pour ça qu'on tombe dans le piège. Confession? Confession? Ok. Confession aussi? Non, c'est témoignage. Témoignage de quoi? En fait, quand je suis arrivée, avant d'arriver ici, en fait, je ne travaillais pas. Et je n'avais pas de fiche de paye et tout. Et le Seigneur m'a donné un appartement à la mairie. Et comme ça. Et ensuite, je ne travaille toujours pas. Donc, je n'ai pas payé de loyer pendant 6 mois. Donc, je suis arrivée ici, j'ai prié. Et un jour, le Seigneur est venu, il m'a parlé là. Il m'a dit, tu vas voir, je vais restaurer tes finances. Donc, il m'a envoyé presque 4000 euros sur mon compte. Gloire à Dieu. Il a tout restauré. Voilà. Et il a déjà fait, ça fait 2 fois qu'il fait la même chose. Donc, il m'a déjà donné encore de l'argent, je ne sais plus, en 2013 ou 2012. Presque 4000 euros aussi. Je ne sais même pas d'où sort dans mon compte. Wow, que Dieu soit bien. Ah ben, bon courage. Avec tes 4000 euros à chaque fois, là, c'est bien. Gloire à Dieu. Ok, ok, ok. Alors, la confession, pour la confession, hein, confesser quoi? Ouais. Moi, je vais confesser pour demander pardon à la sorcellerie qui m'a mis au cœur, Seigneur, un instant. Donc, je vais demander pardon à Dieu pour la sorcellerie que, même si c'est ignorant, j'étais quand même complice. Je demande pardon à Dieu que ce que j'ai fait pour le père de ma fille, mm-hmm. j'ai l'ensorcelé pour qu'il me revienne, au fait. Et il est revenu? Non. Voilà. Que Dieu soit béni, c'est bon. Voilà. C'est quoi? Confesser quoi? Bonjour. J'ai fait un enfant hors mariage, en fait. Un enfant hors mariage? Ouais. Donc, il y en a un deuxième en cours. Un deuxième qui arrive? Oui. Wow. Donc, je voudrais demander pardon au Seigneur. Tu vas l'épouser, cette femme, non? Les papiers sont déjà faits à la mairie. Ah ben, c'est bien. Donc, vous allez vous marier bientôt? Oui. C'est bien. C'est bien. Donc, je veux juste dire pardon au Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est bien, c'est parfait. Que Dieu soit béni. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est pour rendre gloire à Dieu de ce que Dieu m'a guéri, parce que je n'ai jamais témoigné publiquement. T'as guéri de quoi? De l'hépatite C. Tu souffrais de ça depuis combien de temps? Je ne sais même pas. Quand je suis arrivée en France, je suis allée faire le bilan. C'est là où les médecins ont découvert que j'avais l'hépatite C. D'accord. Et après, donc, je rends. T'as fait des examens, il n'y a plus rien? Il n'y a plus rien. T'es sûr? Ils m'ont dit qu'il y a des... Mais je ne peux pas donner mon sang. Ok, mais il n'y a plus rien? Non, il n'y a plus rien. Ok, c'est bon. Mais ton sang? Encore, tu veux donner ton sang aux gens? Non, c'est eux qui m'ont dit ça. Non, mais est-ce que tu... Ok, non, pas de soucis. Et après... En fait, parce que j'allais faire quelque chose, mais c'est bon. Je m'a poussé à faire quelque chose. Ah, d'accord. Mais comme tu après, veux garder ton sein, pas de problème. Après, j'avais... Il y avait une tache noire dans mes yeux, donc j'avais l'écoulement des yeux. Et là, t'as plus rien? Non, il n'y a plus rien. J'étais guérie. T'as payé pour ça? Non, l'ophtalmo m'a dit que c'était à vie, je ne pourrais pas être guérie. Ok. Et donc je suis guérie. Voilà, t'es guérie, que Dieu soit béni. C'est quoi? Moi aussi, je vais faire un témoignage. Quand vous êtes venu à Niort, vous m'avez dit qu'il y aurait une guérison divine. Et voilà, et quelques mois de ça, il y a 2 mois de ça, j'ai eu une rupture d'anévrisme. Waouh. Et bon, les premiers mois, j'étais un petit peu défigurée et Jésus m'a guérie. Il n'y a plus rien? Ben non, il y a presque. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Magnifique le Seigneur. Alléluia. Oui, la confession. Moi, j'ai fait 12 avortements. Tu as fait 2 avortements. 12. 12 avortements. Ouais. Et le cinquième, j'étais enceinte. Ma mère, à cause de ma mère, j'avais peur de ma mère. Wow. Et le cinquième, j'étais enceinte 5 mois. Les médecins n'ont pas vu. Ils ont fait un sondage. Et quand ils allaient aux toilettes, le bébé, il est tombé. J'ai tiré. Wow. Et je demande pardon à Dieu. Oh là là. Wow. On va prier pour cette dame. 12 avortements, frères et sœurs, vous vous rendez compte? Seigneur, accorde-lui ta miséricorde, ta grâce. Au nom de Yeshua. Alléluia. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. C'est ta fille. Tu vas alors? Moi, je n'ai pas de confession. C'est tu veux que je fais des mauvais rêves des fois. Avec les portes que tu as ouvertes aussi, c'est sûr. C'est sûr. Oui. Oui, je vais confesser le 4 avortements que j'avais fait. 4 avortements. Oui, que j'avais fait. D'accord. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà. C'est bon. Moi, c'est pareil. Je demande pardon à Dieu pour l'avortement. Ok. Que Dieu soit béni. Ouais. Je demande pardon à Dieu pour les avortements. Pour les avortements. Ouais. Okay. Je demande pardon à Dieu pour l'incrédulité parce que plusieurs fois, il me parle en songe. Et tu ne crois pas? Je ne crois pas. Tu doutes?
je doute. Et là, aujourd'hui, j'étais tombée par terre. C'est moi qui a parlé en langue et aussitôt, j'ai eu l'interprétation. Okay. Là, je remercie Dieu. La prochaine fois, fais attention pour ne plus que tu tombes comme ça. D'accord. D'accord. Oui, je voudrais témoigner parce que j'ai fait avorter ma fille. Tu as fait avorter ta fille? Oui. Wow. Ah, tant que déjà même je connaissais le Seigneur. Tu connaissais déjà le Seigneur. Donc j'ai besoin au moins deux minutes que, parce que j'avais la cellule de prière, les sœurs venaient chez moi, on priait tout et tout. Et malgré ça, tu l'as quand même fait avorter. Non, pas en direct, mais selon ma réaction. J'ai eu une réaction en tant qu'une servante de Dieu, j'ai eu une réaction que je voulais réellement dénoncer. Okay. Parce qu'à chaque fois que je viens, quand je vois les témoignages, l'esprit me dit, mais toi tu crois que tu n'as rien à te reprocher. Donc, je demande pardon parce que je me basais sur le passage qui dit que, c'est-à-dire quand tu as le Saint-Esprit, tu haïs le péché. Donc, je me croyais réellement dans la bonne position. Mais l'Esprit m'a convaincu que ce n'était pas la bonne manière. Okay. Elle existe, ta fille? Elle est là? Elle n'est pas ici, mais elle est revenue, on s'est pardonné, on a commencé à prier. Donc, je demande pardon à Dieu. J'ai eu une réaction violente qui a conduit ma fille à commettre un crime. Très bien. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, je vous découvre depuis 15 jours sur Internet. D'accord. Et je trouve que c'est vraiment formidable, c'est merveilleux. Tout ce que vous dites de la part du Seigneur, je le confirme, c'est vrai. Malgré toute l'opposition qu'il peut y avoir, beaucoup. Des pasteurs, tout ça, l'hypocrisie, tout ça, tout ce que vous dites, c'est vrai, quoi. Le Seigneur s'est révélé à moi quand j'avais 6 ans déjà. Wow. Et j'étais déjà élue avant la fondation du monde et prédestinée à la vie éternelle. Quoi. Mais j'étais dans un état catastrophique, enfant, enfin des problèmes affectifs. On m'avait placée sous des puissances occultes, tout ça. Je suis restée 33 ans tourmentée, enfin un esprit d'opposition aux choses spirituelles qui me faisait douter tout le temps de mon salut. Enfin, je me le suis levé peut-être 200 fois dans une église à Paris pour réaccepter Jésus. Je le faisais tout le temps, quoi. Bien qu'il m'avait sauvé, mais c'était plus fort que moi. Quoi. Et puis donc, le Seigneur m'a délivré de ce problème-là, quoi. Ce qui fait que maintenant, bon, ben, je suis convaincue. Qu'il m'a sauvé, il est merveilleux. Amen. C'est beau. Il se manifeste, béni. Merci Seigneur. Il est merveilleux. Quoi. Amen. Et je viens encore parce que vers l'âge de 6 ans, je m'arrachais les cheveux, des troubles affectifs. D'accord. Et depuis 15 ans, c'est reparti. C'est la victoire que j'arrive pas à remporter. Normalement, je suis blonde, mais là, c'est une perruque parce que j'ai pas de cheveux. Dès que j'ai quelques cheveux sur la tête, je peux pas supporter les cheveux. J'arrache tout. Alors, je les rase carrément comme ça. Est-ce que tu penses que tu peux te guérir? Je lui ai demandé tout ça. Est-ce que tu penses qu'il peut le faire? Oh ben, je crois qu'il peut tout faire. Amen. Tout. Alors, viens, on va prier pour toi. Mon frère Sylvain, on va dire Yeshua. On va prier pour toi. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. Je voulais confesser l'adultère. J'étais plusieurs années dans l'adultère. Et je voulais demander vraiment pardon à Jésus-Christ et demander pardon aux frères et sœurs, à toutes les personnes que j'ai prêchées, d'autres personnes qui sont converties. Je sais que toutes ces personnes, j'ai déçu. Je demande pardon au Seigneur. Voilà, Dieu a montré mon cœur comme il était mauvais. Et voilà. Et ça fait 19 ans quand même. Je suis dans la vie chrétienne depuis 19 ans. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais accepter Jésus et je vais me convertir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est beau mon frère. Que tu sois béni. C'est un homme que j'aime beaucoup. Que tu sois béni. Bonne continuation. Ça va aller. Gloire à Dieu. Amen. On va y arriver. Gloire à Dieu. Oui, bonjour. Bonjour. Quand vous avez prêché tout à l'heure qu'il y avait un pasteur qui est couché avec... Et il est mort à l'instant. Et moi, je suis pasteur aussi. D'accord. Et c'était en 2002. D'accord. Je suis couché avec une paroissienne. Avec une avec une fidèle. Bien, bien. Tu étais marié? Non, non. Ma femme m'a quitté depuis longtemps. Ok. Et tu as couché avec une fidèle que tu dirigeais? Oui, oui, oui. Et alors que tu es pasteur? Ouais. Et tu es venu devant tout le monde pour demander pardon? Voilà. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Alléluia. Ah ben, que Dieu soit béni. Voilà. Il y a des pasteurs aussi qui se repentent. Il faut. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur.
Oui, mon frère. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Ouais, ça fait pas longtemps que je suis converti, ça fait peut-être trois mois. Trois mois, ouais. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé des femmes qui venaient de confesser quoi, l'avortement, c'est ça. Et après, bon, les hommes sont aussi responsables. Donc, quand j'étais païen, bon, voilà, j'avais une vie vraiment de rue. Mm-hmm. Et j'ai fait avorter quelques femmes, quelques filles. Bon, combien donc, là, je ne peux pas compter. Hein, j'avais beaucoup. Vraiment une vie de rue. Okay. Donc, ça fait pas quelques mois que je me suis converti. Et c'est Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui m'a converti. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a parlé. J'avais entendu plusieurs fois des prédicateurs qui venaient me parler de la parole de Dieu. Ça ne me concernait pas. Ça ne me concernait jamais. Mais un jour, je suis resté dans ma chambre. Il y a une soeur qui m'a envoyé un message. Là, ça m'a bien fait réfléchir. Elle m'a dit, bon... je sortais avec trois filles et je vivais avec la mère de mon enfant. Elle avait trois filles dehors. Ouais. Donc du coup, elle a envoyé un message. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu peux sacrifier pour Dieu? Je dis, mais bon, si j'enlève celle-ci, il va rester deux. Après, je dis, si j'enlève celle-ci, il va rester un. Après, je demande à Dieu, quand tu demandes à Dieu réellement d'un cœur sincère que tu veux changer, il te fait changer. Amen. Je commençais à dormir, j'avais des songes. Après, un jour, je dors, je vois la croix. Ma soeur qui m'activait que pour le baptême, elle avait commencé à prier, priait beaucoup pour moi, elle m'activait pour le baptême. Je ne voulais pas. Un jour, elle a voulu me baptiser. Elle a voulu que je vienne pour me baptiser. Je ne voulais pas. Il y avait une autre soeur j'ai préféré partir faire la fête avec mes amis. Un jour, je dors. Quand je dors dans un songe. Parce que mes amis, il y a d'autres qui sont dans les seigles, il y a des Illuminati, il y a un peu de tout. Un jour, je dors dans mon rêve, le jour suivant avant que je me baptise. J'ai fait un rêve vraiment, vraiment violent. C'était une sorte d'initiation à la confrérie d'Illuminati. Bon, ils m'ont présenté, ça c'est la confrérie c'est l'antéchrist, confrérie d'Illuminati, c'est ça. Là. Et après, ils ont partagé un bout de pain. Que tu as mangé. Qu'ils ont partagé un bout de pain. Le bout de pain, je n'ai pas mangé, j'ai rejeté le bout de pain. Et du coup, il y a un gros serpent dans une autre pièce, parce que le rêve, on peut se trouver dans plusieurs pièces en même temps. Un gros serpent qui est venu, qui a dit au maître spirituel que il y a une personne qui n'a pas mangé. C'est pourquoi? Très en colère. Après, je me suis levé directement dans le rêve et voilà. Le lendemain du rêve, je n'étais même pas encore baptisé. J'ai eu une vision, je ne savais même pas ce que ça veut dire, vision, rêve là, mais j'avais l'aide de sortir de mon corps, j'étais assis dans ma chambre et un homme s'est présenté à moi, j'ai vu une lumière, mon esprit l'a reconnu, je lui ai posé la question, c'est toi Jésus-Christ, le fils de David, le fils de Joseph, il m'a dit oui, il m'a donné le message, c'est qu'il attendait de moi, et là je me suis dit, mais est-ce qu'il ne m'a pas vu? Je me lève, j'étais tatoué de partout, parce que là je suis tatoué, je me dis, mais est-ce qu'il ne m'a pas vu? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il veut de moi? J'étais dépassé. Et après, la semaine qui suit, c'est là où je me suis baptisé. Et j'étais accro à l'alcool. Plus rien d'un coup. J'étais accro aux femmes. Oui, accro aux femmes. Plus rien d'un plus coup. De femmes. Du coup, même celles que je vis avec elles, rien. Je lui dis, si on n'est pas, marié, il n'y a plus rien. Là, c'était un scandale. Elle m'a même trompé. Jusqu'à présent, elle est enceinte. Donc, Elle est enceinte de quelqu'un d'autre. Ouais. Non, mais je confesse tout. C'est bien. Donc, elle est enceinte de quelqu'un d'autre parce que je me suis préservé. Je me suis préservé pour Dieu. Et puis, depuis là, Dieu travaille dans mon cœur. Il travaille en moi. Je suis resté tout à l'heure là. Je voulais pas parler. Mais il y a un truc qui montait là. Je me dis, oh, bah après, il faut que je parle. Je me libère. Donc, étant païen, il y a beaucoup d'hommes ici qui ont fait avorter beaucoup de femmes et qui n'ont pas le courage de le dire. Et puis, j'aimerais que. Je profite de l'occasion pour prier beaucoup pour la mère de mon enfant parce que elle est beaucoup persécutée. Elle sort d'une famille qui pratique beaucoup de sorcellerie et ça là et qui la tient. Donc je demande qu'on prie aussi beaucoup pour elle et y a pas de problème. Voilà et que de toute façon j'ai fait ce que Dieu me tenait à cœur de faire. Gloire à Dieu. Ça c'est un sacrifice. Dieu va te récompenser. Waouh, c'est beau. Hein? Dieu l'a touché et il ne veut plus, il voulait plus toucher à sa copine, avoir des rapports avant le mariage. Et elle n'a pas accepté, elle est allée voir ailleurs, elle est tombée enceinte. Voilà, malheureusement. Vous savez, l'amour supporte tout.
si on aime quelqu'un, même si la personne te dit je ne veux plus de rapports intimes parce que je me sens sale devant mon Dieu, si tu l'aimes cette personne, tu dois aussi accepter le fait que qu'elle est mal quand elle fait des rapports hors mariage. C'est ça aussi l'amour. Et l'encourager à aller jusqu'au mariage. Et aimer, ce n'est pas... Vous savez, beaucoup de gens se disent aimer, hein, disent aimer les autres, mais en fait, c'est de l'égoïsme. Aimer, c'est aussi accepter que l'autre soit en paix. C'est ça l'amour. C'est pas donne-moi, 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 et je m'en fiche de ce que toi, tu peux ressentir. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. En fait, Dieu, il est bon. Là, c'est mon petit frère qui vient de passer. C'est ton petit frère qui a témoigné. Oui, qui vient de témoigner. Donc, je suis toujours derrière lui, en train de le taper. De le pousser. De le pousser, donc de le titiller un tout petit peu. D'accord. Donc, Dieu, il est bon. Dans le sens où Dieu dit, crois en moi, toi et ta famille, vous serez sauvés. Voilà. Donc, il y a le feu qui est entré dans ma famille. Alléluia. Le réveil arrive partout. Le réveil arrive. Ah, le feu. Bon, hein. j'essaye du mieux que je peux. Et puis, j'ai l'impression que ça bouillonne. Et puis, bon, donc, déjà... Là, j'ai mon ami qui vient du Luxembourg, donc je n'ai même pas l'intention de venir. Le Seigneur nous a poussé, il a dit, allez-y. D'accord. Encore, donc, et puis on est venu. Donc je tiens à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans le travail des chrétiens. Quoi. Et je suis contente parce que le Seigneur, il m'a... Vous savez, souvent quand vous venez, vous voulez voir l'apôtre Chora, le Seigneur nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on dépende des hommes. Mm-hmm. Et il mettait un voile, quoi. Donc il est tellement beau parce qu'il mettait toujours un voile chaque fois. Donc quand je m'approchais, il mettait le voile, puis j'allais à la maison, je me disais, Seigneur. Et moi, il faisait pour moi dans le secret, quoi. Amen. Donc, en aparté. Il faisait, et puis il me criblait, il me traitait et tout. Et puis à chaque fois, je dis, papa, je vais plus. Mais il me pousse à partir. Bon, bref. Donc mon petit frère, il est touché. Et franchement, le Seigneur s'est revenu à lui comme l'époux fidèle. Et il a changé. Donc je suis surprise, il était rebelle. Il était tu ne le reconnais même plus. Non, je ne le reconnais plus. Donc, et puis je vois comment le Père travaille, quoi. Le Père, il nous aime. Et je tenais à le remercier déjà pour les songes qu'il donne et les visions qu'il donne à ses enfants. Il est vivant et... Il est même palpable. On a l'impression qu'on ne. Il est vivant. Il nous délivre même à la maison, même si vous ne recevez pas vos délivrances ici. Même dans le secret, dans les songes à la maison, il fait le travail. Vous mettez à prier, vous rôtez, vous avez des gaz, vous avez des crachats, vous vomissez. Donc moi, mes délivrances, à chaque fois que je venais, l'apôtre Chora, il confirmait juste. Et il ne me touchait pas. Donc le Seigneur, tellement il nous aime. Parfois vous priez, vous dites que non, célibat, mais parfois chez les femmes qui veulent se marier. Cherchez d'abord Jésus, quoi, parce que l'époux fidèle, parce Amen. Que quand il se révèle à vous en tant que l'époux, un homme peut venir vous. Et après, ce qui est fou, c'est que c'est après qu'il va vous apprendre après à aimer. Mm-hmm. Parce que tellement vous l'aimez que vous dites non, moi je ne veux plus d'homme, quoi. Bon bref, donc j'ai déjà confessé pour l'avortement. Je l'avais fait déjà double la première fois que je suis venue. Je voulais reconfesser et dire à toutes les femmes qui veulent se marier. Le mariage, ça viendra, mais cherchez d'abord Jésus, c'est l'époux fidèle, quoi. Amen. Et il est l'époux fidèle, il nous aime tellement. Et après ça, il est aussi notre papa. Moi, je ne sais pas prier, donc moi, je m'assois, je dis, papa, me voici, je suis fatiguée, apprends-moi. Et dans les songes, en fait, il m'a montré la vision par rapport au frère Chora aussi, comme quoi c'était son fils. Tellement de choses, il nous demande, il faut qu'on croie, il est vivant, il nous aime, et Amen. C'est bientôt la fin. Amen. Donc, c'est bientôt la fin, donc merci et pardon pour l'avortement, papa. Gloire à Dieu. Bonjour. Bonjour. Oui, je... Pardon. Jeune fille, tu peux venir ? Viens, toi. Ouais. Mm. Oui, je suis venu donc avec ma tante. D'accord. Je suis venu demander beaucoup de force au Seigneur. D'accord. Parce que je suis en train de cancer. Pour wow. De la prostate. Cancer de prostate. Ouais. Et... Je suis pareil, quoi. Vous pensez que Dieu peut guérir cet homme de ce cancer, de la prostate? Qui croit que Dieu peut le guérir? Alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen, alléluia. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen, amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, repartez faire des examens. Vous allez vous-même témoigner ce que le Seigneur va. Hein? Comment? Il est? On l'a prophétisé, ouais. Maurice, c'est vous Maurice? Eh bien Maurice, le Seigneur vous a appelé ici.
Eh bien, Maurice, allez-y avec votre guérison. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, Maurice. Viens, jeune fille. Le Seigneur fait des choses qui nous choquent. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? En gros, j'étais allée à l'hôpital parce que je me plaignais de douleurs thoraxiques. D'accord. Ils pensaient que c'était une lambonie pulmonaire, c'est-à-dire des cailloux dans les poumons, parce que j'étais infectée au niveau du poumon. En faisant plein d'autres examens, ils ont supposé que c'était un cancer. Et en faisant encore d'autres examens, ils ont supposé que c'était une tuberculose. Et j'ai eu la moelle épinière qui a été attaquée d'une infection. Et elle est proche de... La vertèbre, elle est proche de la moelle épinière. Si elle se touche, je risque une paralysie corporelle. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont mis un corset, pour que ça puisse pas trop se toucher. Tu es baptisée? Oui. Et c'est pas... Justement, j'ai jamais été malade ou jamais été hospitalisée. Je me suis baptisée et une semaine plus tard, les douleurs, elles se sont amplifiées. Au début, j'étais partie pour 3 jours de congé et au final, ils m'ont dit 6 mois de congé. Et le corset, normalement, ils m'ont dit 6 mois maximum, mais 3 mois minimum. Ok. Lève ta main. Seigneur, nous brisons la puissance de la mort dans la vie de cette jeune fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la mort te lâche maintenant. Maintenant, tu vas quitter ce corps. Voilà, un démon qui est là. C'est un démon qu'on a envoyé pour le ronger de l'intérieur. Un serpent qui mange son corps à l'intérieur. Il est là et il est en train de sortir au nom de Yeshua. Les mêmes médecins qui l'ont consulté ne vont plus comprendre, ne vont pas comprendre ce qui se passe. Les anges la nettoient, la lavent. Au nom de Yeshua, ô Dieu d'Israël, ô Père de gloire, ô Dieu de gloire, cette jeune fille est délivrée définitivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père de gloire. Depuis tout à l'heure, depuis au moins 30 minutes, le Seigneur me parle d'un démon qui tient la jambe de quelqu'un ici. C'est réglé, la puissance de la résurrection travaille en toi, jeune fille. Oh, Jesus Christ. Tu vas te marier, avoir des enfants normalement. Tu vas témoigner la gloire de Dieu partout au nom de Yeshua. Ce démon-là, lâche ton corps, lâche ta jambe. La puissance de Dieu elle-même, elle va venir sur toi. Cet esprit va lâcher ta jambe, lâcher ton corps, lâcher ta vie. Parce que il veut provoquer un AVC dans ta vie. Il veut provoquer la paralysie. Démon, écoute-moi bien maintenant. Tu sais que depuis tout à l'heure, je veux que tu lâches cette personne-là au nom de Yeshua. Je veux que tu lâches. Il y a plein d'anges guerriers qui viennent d'arriver ici. Là, avec une onction de guérison, de délivrance. Les maris des nuits aussi qu'il y a ici. Il y a pas mal de maris des nuits ici. Des femmes, des hommes qui sont constamment attaqués la nuit dans leur sommeil par des esprits qui viennent les combattre, les souiller, tout ça. La puissance de Dieu, la puissance de la parole vient vous rendre libre. La puissance de Dieu au nom de Yeshua. Je vous donne l'ordre maintenant, démon, de quitter ce corps-là. Je vous donne l'ordre. C'est un ordre que je vous donne au nom de Yeshua. Je dis au nom de Yeshua. Lâche-moi cette jambe que tu tiens là, cette sœur. Tu ne vas plus la paralyser parce que le Seigneur la délivre au nom de Yeshua. Là, ça sort. Quand ce démon va sortir totalement, ça sort là. C'est pour cela que quand elle a fait des examens, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas. Ça sort là au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas quitter ses poumons. Tu vas quitter ces poumons au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Jesus. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Toi qui es venu pour la première fois avec tes démons là. Qui t'ont attaqué pendant des années. Qui t'ont envoûté.
Le Seigneur pose sa main sur ton ventre. Qu'il te sort de là au nom de Yeshua. Les démons vous lâchent. Je dis, les démons vous lâchent. Les démons vous abandonnent. Ils abandonnent vos corps au nom de Yeshua. Jesus Christ. Oh Dieu d'Israël. Une personne comme ça possédée par autant de démons, même si vous la mettez dans un scanner, tout ça, on ne verra rien. Jesus Christ. Oh Saint-Esprit, merci. Assis. 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 Il donne des ordres aux démons étant assis. Et les démons obéissent. Les maladies s'en vont. Les esprits de cancer s'en vont. Au nom de Yeshua. Les cancers, tout ça là, toutes sortes de cancers dans vos corps, dans vos ventres, dans vos vies. Tout ça là, cancer de sein, tout ça là. Il y a une onction particulièrement pour libérer les gens de cancer aujourd'hui là. Au nom de Yeshua. Tous vos cancers là, ça sort. Vous allez les vomir au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Cancer de l'utérus, tout ça là. Au nom de Yeshua. Oh, Saint-Esprit. Alléluia. Jesus Christ. Hépatite A, B, C, tout ça là, ça sort là. Vous allez vomir vos camps, vos hépatites au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur là. Oh, il y a une onction de miracle, une onction de guérison, il y a une onction puissante du Saint-Esprit. C'est bon là. Ah, c'est bon. Seigneur, je prie pour lui. Au nom de Yeshua, priez pour lui. Oh, alléluia. Pendant des années, on t'a lié. Je parle à quelqu'un ici. Pendant des années, on t'a lié. Tu te sens bloqué, tu te sens lié. Tu sens que ta vie est liée. Tu n'arrives pas à aller plus loin. Tu n'arrives pas à percer. Tu ne comprends pas. Et presque tous les membres de ta famille sont comme toi. Et tout est comme s'il y a une malédiction, n'est-ce pas, qui s'abat sur vous, là, sur la famille, au nom de Yeshua. Oui, 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 effectivement, il y a une malédiction qui a été mise sur votre famille, sur votre vie. Toute la famille a été vendue à Satan, vendue au diable. Mais la puissance de Dieu, ma soeur, vient sur toi là. Au nom de Yeshua. Les démons qui vous tourmentent là, ça sort là. Je dis, ça sort. Toutes ces malédictions là, Dieu les brise au nom de Yeshua. Sortez. Je dis, sortez, démons de malédiction. Allez, quittez-la. Quittez-la, quittez-la. Amenez-la moi là-bas. Amenez-la moi. Quittez ma soeur, c'est ma soeur. Quitte-la. Lâche-la. Au nom de Yeshua. Il y a une onction, je vous dis. Les démons ne peuvent pas résister là. Je dis, tous vos petits serpents là, qui ont voulu régner dans vos vies, dans vos corps, ça sort. Je dis, ça sort au nom de Yeshua. Oh Saint-Esprit. Là-bas, ça sort. Là-bas, ça sort. Un gros serpent là-bas, ça sort. Tu vas la lâcher au nom de Yeshua. Lâchez cette jeune fille. Lâchez-la. Amenez-la, on acclame le Seigneur de gloire. Une onction ici. Oh Dieu de gloire. Lève-toi jeune fille. Tu es délivré, guéri de ton mal. Au nom de Yeshua. Alléluia. Jesus Christ. Tu es guéri, ton dos est guéri au nom de Jésus de Nazareth. Tout est réglé au nom de Yeshua. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci mon Dieu. Va voir ton médecin la semaine prochaine. Tu vas, on va t'enlever ça. Tu vas venir témoigner. Tu vas revenir avec ça. Oh, alléluia. Jesus Christ. Oh, il y a une onction de guérison, de miracle ici, là, mes amis, là. Je veux que tu la lâches. Je veux que tu la lâches. Il y a un démon qui m'insulte ici. Il y a un démon qui est très en colère contre moi. Parce qu'il est. Il est serré dans ce corps là. L'onction de Dieu est en train de, n'est-ce pas, le serrer au nom de Yeshua, n'est-ce pas? Et tu vas lâcher ce corps que tu tiens depuis des années. Tu vas lâcher cette habitation que tu as eue pendant des années. Tu vas lâcher définitivement cette habitation et ne plus contrôler cette personne au nom de Yeshua. Oh, Dieu t'aime. Lâche-la. Lâche-la.
Jehovah, vous allez prier pour elle. Un esprit des eaux. Un esprit des eaux. Un esprit des eaux. Un esprit des eaux. Et un deuxième esprit des eaux qui s'excite. Cet esprit des eaux veut contrôler ton âme, contrôler ta vie. Ça va te lâcher définitivement. Ça va lâcher ta vie. Ça va lâcher ton âme. Ça va lâcher ton cœur au nom de Yeshua. Jesus Christ. Alléluia. Jeune fille, sois libre. Libre, libre, libre. Libre. Je veux que tu la lâches. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Tu es démasqué. Lâche-la comme ça. Voilà. Quitte-la. Voilà. Tu t'en vas. Tu t'en vas d'elle. Et tu ne reviens plus jamais. Quitte-la au nom de Yeshua. Oh Saint-Esprit, merci. Oh mon Dieu. Oh alléluia. Alléluia. Le feu de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. La puissance de la résurrection est là pour ressusciter les choses qui sont mortes en vous. Je vous dis au nom de Yeshua, tout ce qui est mort en vous là, tout ce qui est mort, tout ce qu'on a cassé, tout ce qu'on a détruit, les organes qui sont malades, tout ça là, oh l'estomac là, problème d'estomac là au nom de Yeshua, tu vas toucher là où tu as mal là, il y a des choses qui vont sortir là. Oh Père, oh Saint-Esprit. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh alléluia. Jesus. Jesus. C'est bon, c'est réglé. Jesus. C'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Jesus. Alléluia. Jesus. Jesus. Oh alléluia. Tous ceux qui portent des ceintures là, par rapport au dos, enlevez-les. Jesus. C'est bon, c'est réglé. Vous pouvez déjà y aller. C'est réglé. Tout est réglé. C'est réglé au nom de Yeshua. Jesus. Alléluia. Jesus. Alléluia. Lâche ce corps. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Jesus Christ. Alléluia. Oh alléluia. Dieu va essuyer des larmes. Par rapport à ta famille, par rapport à ses enfants. L'ennemi veut les détruire par la sorcellerie, par la jalousie. Le Seigneur a vu des larmes, le Seigneur va te justifier au nom de Yeshua. Il y a une restauration dans ta famille. Dieu va opérer une restauration. Dieu va libérer également, n'est-ce pas, les personnes qui sont enchaînées au nom de Yeshua. À ton retour là-bas, tu vas voir la puissance de Dieu te précéder. La gloire de Dieu, la guérison. Le Seigneur guérit ses enfants là. Au nom de Yeshua, notre Seigneur Sauveur. Alléluia. Oh alléluia. Waouh. Dieu va te guérir. On dit Yeshua. C'est bon. Vas-y, vas-y. Oh non, dit Yeshua. Alléluia. Alléluia. Glory. Shalalash. Si tu portes une ceinture, tu peux l'enlever. Par rapport au dos. Lâchez-moi ce corps, là. Quitte ce corps au nom de Yeshua. Quitte cette femme au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour cet homme. Le papa de ce jeune homme que tu as touché. Amen. Gloire à Dieu. Dieu va se glorifier. Amen. Allez. D'accord. Oh alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Au nom de Yeshua. Jesus. Jesus. Quitte ce corps, au nom de Yeshua. Jesus. Quitte cette femme. Oh Jesus.
guérison là dans ton corps. Au nom de Yeshua. Alléluia. C'est pas normal. On va prier pour toi. Oh, alléluia. Cette femme quitte son corps, quitte ce corps là, au nom de Yeshua, alléluia, gloire. Oh alléluia, oh Jésus, alléluia, oh Jésus, alléluia, que mon frère soit libéré, Seigneur mon Dieu, au nom de Yeshua. Seigneur, que ma soeur soit guérie, c'est fini, c'est bon, c'est réglé. Jésus, Jésus, oh alléluia, sois guéri, sois restauré au nom de Yeshua. Oh alléluia, Jesus, alléluia. Oh alléluia, Jesus, alléluia. Jesus, alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Jesus, alléluia. Oh alléluia. Ok, on va prier pour toi là-bas. T'as arrêté la cigarette? Pas encore? Il faut arrêter ça, après le reste on va faire. Amen. C'est bon. D'accord, ça va aller. Ok. D'accord, d'accord. On va prier, ça va aller. Seigneur, merci pour mon frère. Ça va aller. Laurent, tu peux venir passer pour nous aider, hein? Sors de ce corps au nom de Yeshua. Lâche l'homme, lâche-le. Lâche-le au nom de Jésus. Lâche-la. Non, Yeshua. Jesus. Ça va aller. Ça va aller. On a prié là, c'est bon. Amen. Oh, Dieu de gloire. Alléluia. Dieu d'Israël. Oh, alléluia. Sors. Sors de là. Quitte ce corps là. Quitte au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors de là. Sors de là, là. Sors de là, au nom de Jésus. Dieu de gloire, alléluia. Oh, alléluia, Jesus. Sors de ce corps, au nom de Jésus de Nazareth. Quitte cette femme, quitte-la. Quitte-la, voilà, quitte-la. On a fait de la magie indienne contre toi. Ça sort là, on acclame le Seigneur de gloire. Ça sort, au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Dieu de gloire. Oh, Saint-Esprit, merci. Jesus, alléluia. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Louise, est-ce qu'il y a une Louise ici là, Louise? Louise, que je ne connais pas.
Elle est où? Elle s'appelle Louise. Viens. Oh, alléluia, ça va? Gloire à Dieu, crains Dieu. Louise, vous faites attention là. On veut l'initier à la sorcellerie. Là. Jesus. 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 Non, Jesus de Nazareth. C'est bon. Oh alléluia, Jesus. Lâche ce corps, non Yeshua. Sors de là, mon Jésus de Nazareth. Lâche. Henriette, c'est toi? Ben c'est toi là. Il y a une étoile là sur toi là. Tes allergies, t'as beaucoup d'allergies. Tu crois que le Seigneur peut te guérir de ça? Gloire à Dieu. Ben c'est réglé mon grand. C'est fini. Au nom de Jésus de Nazareth. Viens. Jésus. Alléluia. Oh alléluia. Voici ta délivrance, la guérison en Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh alléluia. Oh alléluia. Le Seigneur ouvre des portes pour toi pour le commerce. Tu vas ouvrir des portes. Tu vas beaucoup voyager pour faire le commerce. Le Seigneur ouvre des portes de façon miraculeuse. Tu vas aider les pauvres au nom de Yeshua. Tu vas nourrir les orphelins, les veuves au nom de Yeshua. Et l'œuvre que le Seigneur te confie, c'est ça, le social. Et tant que tu craindras le Seigneur, personne ne te touchera. Personne ne touchera ta famille au nom de Yeshua, le Seigneur Sauveur. Oh, alléluia. Jesus Christ, alléluia. L'onction sur elle. Ouh, c'est magnifique. Oh, Dieu de gloire. Oh Dieu d'Israël, alléluia. Alléluia. La somme des choses marchait dans ton cœur encore. Vous pensez que Dieu peut guérir cet enfant-là? Qui le croit, frères et sœurs? Alléluia, gloire à Dieu. Oh Saint-Esprit, merci. Ça va se régler. On lui a jeté de l'eau mystique. C'est bon. C'est bon. T'es baptisé? Non? Qu'est-ce que tu attends? Oh, tu veux suivre Jésus-Christ? Saint-Esprit, merci pour cette femme. Le Seigneur enlève tes pleurs, tes souffrances. Oh alléluia, glory, Jesus. Oh alléluia, gloire à Dieu. Oh, il y a une belle onction là. Alléluia, alléluia. Oh alléluia. Tu es établi comme une sentinelle dans la maison de ton Père. Que Dieu le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Jesus, alléluia. Oh alléluia, voici la puissance de Dieu sur toi. À Dieu. Jesus, alléluia. Jesus, alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Une onction sur elle. Guérison, la restauration, le Yeshua. Jesus, c'est la puissance de Dieu. Wow. C'est réglé, c'est réglé. Alléluia. Jesus. Hein? Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci pour ma soeur. Alléluia. Oh, alléluia, Jesus. Tu lâches ce corps là, au nom de Yeshua. Tu t'en vas. C'est bon. Jesus, alléluia. Et des guérisons que Dieu opère, alléluia, au nom de Yeshua. Laurent. Oh, Dieu d'Israël. Alléluia, gloire à Dieu. Jesus.
une onction de miracle là. Les maladies incurables s'en vont. Allez, tu sors, allez, tu sors, allez, tu sors, tu sors. Allez, tu sors, au nom de Jésus. Allez, tu sors. Au nom de Jésus. On acclame le Seigneur, frère. Il y a des miracles que Dieu opère là. Il y a une onction là. Oh, Jesus. Allez, sors, allez, sors, allez, sors. Allez, sors, allez, sors. Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oh alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Jésus est là. Alléluia. Il guérit. Sois guéri de ce mal. Sois délivré de ce mal. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Que la mort te quitte maintenant. Que la mort te quitte maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus est là. Alléluia. Jésus est là. Allez sort, 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 allez tomber, être tombé, tombe par le nom de Jésus.
Dieu d'Israël. Allez, tu sors au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Des jambes plus courtes que les autres. Venez. Jesus. Jesus. Assieds-toi là. Laquelle est plus longue? Laquelle est plus longue? Tu sais même plus. T'es sûr de toi qu'il y en a une qui est plus courte que l'autre? Fais voir. Fais voir. Il n'y a pas de problème là avec toi là, c'est bon là. Début d'arthrose, mais c'est pas toi, ça c'est pas toi. On va prier pour toi là-bas. Laquelle est plus courte que l'autre? T'as mal aux deux jambes. C'est bon. Bon. Laquelle est plus courte que l'autre? Celle-là? Fais voir là. Fais voir l'autre. Tiens, tu peux vérifier là, s'il te plaît. C'est la première fois que tu viens ici? C'est la première fois que tu viens? Mes jambes battent mon handicap. Parce que quand si j'ai que payer du dos et d'un côté, ben, on a rafraîchi. D'accord, ben, tu peux te rasseoir. Et celle-là, eh ben, mets l'autre aussi à côté. Les deux, voilà. On va les soulever, voilà. Tu vas pas tomber, ça va aller. C'est celle-là qui est plus courte ou comment? Elle est plus courte, hein? Vous pensez qu'elle peut repousser là? Qui croit qu'elle peut repousser la jambe gauche? Vous voulez qu'elle repousse là? Dites jambe gauche. Écoute la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allonge-toi. Au nom de Jésus. Pousse. Repousse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jesus Christ. Voilà. Vérifie. Ça dépasse l'autre, hein. Jambe gauche, redresse-toi. Allons, nom de Jésus de Nazareth. C'est bon. Lève-toi et pars. On acclame le Seigneur, c'est bon. Alléluia. Voilà, c'est réglé. C'est gratuit, tu peux rentrer chez toi. Tu n'as rien payé pour ça. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Tu es une princesse. Amen. Gloire à Dieu. Oh Dieu de gloire, Dieu d'Israël. Oh Dieu de gloire, alléluia. Hein? C'est quoi le problème? Une jambe plus longue que l'autre. Ah, c'est toi. Depuis combien d'années? 8 ans. 8 ans. Vérifier. Che, va vérifier. Notre frère. Dis à ton voisin, c'est l'hôpital de Jésus-Christ. Non, il n'a pas entendu, c'est l'hôpital de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Celle-là est plus courte, hein? Voilà. Elle est plus courte, celle-là. Elle est plus courte, logiquement. Oh, non, Yeshua. Dites encore, jambes. Jambes. Écoute la parole de Dieu. Nous, l'Église, nous parlons, nous prophétisons de la part de Dieu. Jésus nous a mandaté pour chasser les démons, opérer des miracles. Jambes, pousse-toi, allonge, au nom de Jésus, au nom de
Jesus Christ. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Jesus Christ. Hallelujah. Jesus Christ. Hallelujah. Jesus Christ. Vérifie encore. C'est bon. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Tu peux rentrer chez toi au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Dieu ton Père de Jésus, au Père des miracles. Il est Père des signes. Au nom de Jésus Christ. Alléluia. Une deuxième chaise. Jésus fait des miracles. 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 Au nom de Jésus, alléluia. Jésus, Jésus, parce qu'il y a une onction de miracle. Dis à ton voisin, tu agis. Jésus fait des miracles. Jésus, 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 Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. C'est bon, tu peux partir. Jesus, Jesus, Jesus. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, vérifiez-moi tout ça là. Il y a une onction de miracle. Là c'est bon là. C'est gratuit. Qui dit que les handicapés ne peuvent pas être bénis? Toi, tu vas évangéliser partout. Tu vas évangéliser partout. Fais comme moi. Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Jesus. Alléluia. Jesus. Mon oreille avait entendu parler de Dieu. Maintenant mes yeux commencent à voir. C'est glorieux. Et c'est gratuit. Il y a des conversions, il y a des baptêmes, il y a des guérisons, il y a des miracles. Les jambes s'allongent, il se passe des choses.
mon frère Sylvain, qui peut faire ces choses-là? Jésus. Si ton Dieu est mort, essaye un peu le nôtre. Jésus, sa démarche est terrible. Quand Jésus marche, les archanges sont à genoux. Quand Jésus passe, le sida est à genoux. Quand Jésus passe, le cancer est à genoux. Quand Jésus passe, les sorciers sont à genoux. Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Le bâton, tu l'as. Le bâton, tu l'as. Jesus. Yes. Oh, le feu. Oh, le feu. Le feu, tu l'as. Le feu. Alléluia, Jesus. Il y a le feu ici, il y a le feu ici. Il y a le feu ici. Là. Il y a le feu. Le feu. Le feu, Jésus. Le feu. C'est quoi le problème? Une douleur à la hanche. La hanche. Dieu peut te guérir là. Oh, tu crois que Jésus peut te guérir? Merci Jésus. Sa hanche. Qui croit que sa hanche peut te guérir? Pousse-moi ça. L'hôpital ici, là, le médecin ne refuse aucun malade. Ta hanche. Depuis combien d'années? Et ça fait beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Qui croit que Jésus peut le guérir maintenant? Qui le croit? Oh, ange. Au nom de... Ange, écoute-moi. Je m'adresse à toi, ange. Jésus-Christ a versé son sang à la croix. Cet homme s'est avancé ici parce qu'il croit que Christ peut le délivrer. Et nous le croyons aussi. Au nom de... Jésus. Ah Seigneur. Oh Jésus de Nazareth. Oh Jésus de Nazareth. Ah, ah. Jésus. Oh, rassure-toi encore là. Jésus. Oh. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, cette jambe-là. Ange. Alléluia. Bouge cette jambe là. Fais comme ça. Fais comme ça là. Les deux jambes maintenant. Les deux jambes maintenant. Tu crois que Jésus peut te guérir? Lève-toi maintenant. Allez, au nom de Jésus. Alléluia. Jesus Christ. Alors commencez. J'ai plus de mal maintenant. T'as plus mal. Mais Jesus. Non, t'as plus mal. J'ai plus de mal. Alors, mais c'est réglé là, c'est réglé. Mais c'est réglé. Est-ce que tu as payé? Écoutez, et je pense que je dois le témoigner, c'est le fait du péché. Donc, c'est à cause du péché? Ouais, je demande pardon à Dieu pour mes péchés. Et le mensonge, l'adultère, tout, pour que c'est ça qui me cause. Maintenant, il t'a guéri, finis tout ça. Si tu fais encore, ça va revenir plus qu'avant. Maintenant, fais comme ça. Tu peux marcher avec fierté, avec foi. Ah ben c'est bon, c'est fini. Maintenant, plus d'adultère. Jesus Christ. Ouf. Jesus. Jesus. Qui réalise que Dieu est grand? Jésus est trop fort. Mon frère Sylvain, tu te rends compte? C'est quoi le problème là? Il y a une jambe plus courte, hein? Depuis combien de temps? Depuis 2008. Depuis 2008, nous allons repartir dans le passé. À l'époque où ses jambes étaient égales. Maintenant, le Seigneur a dit, c'est pas moi qui vais prier pour elle, c'est vous maintenant. Vous allez voir la puissance que vous avez. Tendez vos mains sur elle. Parlez à cette jambe-là. Allonge-toi. Ah. Ah. Hein?
Comment? J'ai plus de ska foyer. T'as plus de ska? Foyer. Ska foyer. T'en avais avant. Et là, t'as plus rien. J'ai plus de ska foyer. Elle va enlever ça parce qu'elle n'a plus de ska foyer. Est-ce, ça, ça a disparu. En fait, en 2008, un jour, je suis réveillée, j'ai une douleur. Depuis ce jour-là, ce douleur-là est restée de 24 heures sur 24 heures. Et là, t'as plus de douleur. Je le sentis jusque là. La douleur, maintenant, je le sens jusque là. Ça monte, ça descend. Oh, Jésus. Donc tu es obligé de porter ça. Hein? Ça tient l'os. Oh, ça tient l'os. Vous qui êtes chez vous, vous pensez que Dieu peut... Qui le croit? Tu es marié. En plus de cette guérison-là, Dieu te donne le mariage. Au nom de Yeshua. Le pied là. Magnifique le Seigneur. Oh. Oh. Que ce démon s'en aille maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ. Jesus Christ. La jambe s'est allongée. Il reste juste la douleur là maintenant. On y va, on y va. Qui croit que Jésus-Christ est Seigneur? Lève-toi. Marie-Jo souffre beaucoup ici. Dieu l'a guéri de diabète. Fini tous ces médicaments là, toutes ces piqûres. C'est toi? C'est bon. Repars voir le médecin. Il y a une autre personne qui demande des reins tout neufs. Dieu t'a donné les reins là. C'est toi? Voilà. Tu as deux reins tout neufs là. La prière, hein?
Mais les gens sont malades. Hein. Heureusement que le Seigneur guérit. Nous autres, là, on a besoin de la guérison dans tout notre corps. Pas de cancer, pas de maladie bizarre, frère, au nom de Yeshua. La queue, vite fait, faites la queue, te retournez. Pasteur, posez les mains seulement, posez les mains à chaque fois, là, comme ça, là. Posez seulement les mains, ça passe. Il y a les ministères, là. Allez-y, je me mets derrière vous. Voilà, ton pied, là, ça se restaure, là. Posez les mains seulement, ça va aller. Dieu guérit. C'est bon, on connaît. Le Seigneur sait. On va. Amen. Marie-Jo, il y a une Marie-Jo, Marie-Jo qui nous suit là. Qu'elle appelle au 06 12 13 40 21 49. À l'heure quand on a fait l'appel pour recevoir Christ et qui veut le faire maintenant, je sens dans mon cœur que c'est toi. Qui d'autre qui ne sait pas avancer, qui veut le faire? Merci, viens. Oh, Dieu entend vos prières, hein. Le Seigneur a entendu ta prière au nom de Yeshua. Qui d'autre? Toi là-bas, gloire à Dieu. Oh Saint-Esprit, merci. Marie-Jo, 06 12 13 21 49. Il y a quelque chose pour toi. Le 19 décembre, nous sommes où? À partir de quelle heure? 8 heures. À quelle heure? Je ne vous connais pas. On ne s'est jamais vu. Hein? Dieu vous connaît. Vous êtes quelqu'un de droit. Vous n'aimez pas voir les autres souffrir. Vous n'aimez pas l'injustice. Vous aiderez tout le monde. Et ça c'est vous. Prêt à rendre service. À aider tout le monde. Et Dieu veut faire de vous un père. Un père. Beaucoup d'enfants. Et Dieu vous donnera beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Et il n'y a pas de hasard, c'est Dieu qui a permis que vous veniez ici. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse dans votre cœur, dans votre tête. Dieu veut répondre à chacune d'elles, c'est ce qu'il me dit de vous dire. Et il veut vous donner les moyens financiers également pour aider les autres. Pour aider les autres. Parce que vous avez des projets. Parfois, les moyens peuvent faire défaut. Et le Seigneur connaît également vos galères. Vous avez beaucoup galéré, vous avez beaucoup souffert. Vous avez vécu ce que c'est le rejet, l'incompréhension. Et les blessures sentimentales, les blessures de l'âme. Et le Seigneur veut restaurer votre cœur en profondeur comme un père. Je ne vous connais pas, on ne s'est jamais vu. Je ne connais pas votre relation avec votre père. Mais Dieu veut être votre papa. Il veut remplir votre cœur de l'amour du père. Et vous prendre dans ses bras. Et vous guérir, vous soigner en profondeur. Et il vous tend la main, le Seigneur, aujourd'hui. Il vous invite à lui. La religion vous répugne, vous n'aimez pas la religion. Et vous êtes assez révolté par la religion. Et le Seigneur le sait. C'est pour cela qu'il vous parle avec précision aujourd'hui. Et il me dit de vous dire qu'il vous appelle à lui. Ce n'est pas la religion, c'est à le suivre lui, à avoir une relation personnelle, tous les deux, avec lui, entre lui et vous. Et il veut vous révéler beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le Seigneur veut vous faire découvrir aussi beaucoup de pays. Hein, vous n'aimez pas rester sur place, vous aimez beaucoup bouger un peu ici et là. Dieu veut vous faire découvrir beaucoup de pays, vous beaucoup voyager et aller de lieu en lieu, hein, de pays en pays, pour découvrir les choses, pour aider et travailler avec vos mains et avec votre intelligence. Vous êtes quelqu'un de très manuel, tout ça.
Et c'est ce que le Seigneur me montre. Et voilà. Voilà. Dieu parle, hein, mes amis, là, mes avis, là. C'est... Alléluia, gloire à Dieu. Ce n'est pas de la voyance, hein, c'est de la révélation. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon. Et je vois voyager, vous allez beaucoup bouger. Espagne, Portugal, tout ça. Et portugais, vous savez faire portugais, vous savez mora onda. Gloire à Dieu. Hein? Ok. Donc Dieu sait, parce qu'il me parlait du Portugal. Donc vous allez beaucoup travailler au Portugal, là-bas aussi, beaucoup voyager. Je vois Dieu, oh là là, vous allez vraiment construire une maison là-bas, une maison de prière, là, une maison de, d'accueil pour accueillir les gens, tout ça, là, aider les gens. Et que Dieu vous garde. Et c'est votre jour. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu sait qu'il est du Portugal, mes amis, là. Dieu est bon. Alléluia. Oh, Dieu parle, frères et sœurs. Dis à ton voisin, Jésus parle. Il parle avec précision. Est-ce que vous voulez suivre Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez suivre Jésus-Christ? Alléluia, gloire à Dieu. Mais venez, je prie pour vous. Dieu va vous donner les moyens pour avoir une entreprise de bâtiment, de construction. Et c'est vraiment les portes qu'il va ouvrir pour vous. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, je prie pour cet homme. Seigneur, merci pour ta grâce sur sa vie. Seigneur, bénis-le dans tout ce qu'il va entreprendre, mon Dieu. Bénis-le, mon Dieu, Père, que la puissance de la sorcellerie soit brisée dans sa vie. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Père de gloire, Père d'Israël. Seigneur, garde son cœur, garde son âme, mon Dieu, mon roi. Ô Père, merci pour l'œuvre que tu as commencé dans sa vie. Et nous croyons que tu vas l'achever au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez fortifiés. Merci Seigneur, alléluia. Oh Dieu parle, frères et sœurs. Dieu parle. C'est bon, c'est guéri, là. C'est bon là. Vous allez avoir deux reins là. Deux reins. Deux reins tout neufs là. Vous croyez ça? Oh alléluia. Jesus. Jésus, c'était rare si qu'on n'irait pas là. Si qu'on n'irait plus, c'est Jésus. Jésus, c'était rire ici qu'on n'irait pas à Marie. C'est pas la résine de Jésus. Jésus est ici. Oui, c'est. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est ici. Alléluia. Seigneur, magnifique le Seigneur. Ouh. On va vous traiter de folle. Parce que vous serez de plus en plus amoureuse de Jésus-Christ de Nazareth. Il va de plus en plus se révéler à vous. Alléluia. Il me dit de vous dire, vous êtes ma perle. Vous êtes sa perle. Sa perle. Oh, alléluia. Jésus Christ. Il vous protège, il vous garde. Oh, alléluia. Jesus Christ. Oh, alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Waouh. Il est magnifique. Marie-Jo, Marie-Jo. Dieu en sait encore. Là. Marie-Jo. Oh, Marie-Jo. Là. Dieu, Dieu. Oh, my God. Oh, Jésus de Nazareth. Mm-hmm. Ceux qui ont reçu leur baptême, levez les mains un peu. Vous avez été baptisé aujourd'hui? Levez-vous afin que nous bénissons le Seigneur pour vous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il nous reste combien de mois ici? 3 mois. Le 6 décembre, on arrête. Le 6 décembre, on arrête ici pour nous préparer pour le 19. Alors, ceux qui viennent de loin se disent, bon, on va venir, mais c'est pas seulement pour une soirée, on veut qu'il y ait d'autres programmes. Ne vous inquiétez pas, il y aura plusieurs programmes après. Déjà, après le 19, il y aura la formation de Didasco. Pendant au moins, on va voir avec Ludovic, avec l'équipe, mon frère Charlie, il y aura au moins 2 sessions. Donc, jusqu'à la fin du 19, du 21 jusqu'au 31. Alors le 31, on va voir si Dieu permet qu'on ait une nuit de prière. On va voir, on va vous l'annoncer. On pourra avoir une nuit de prière. On va voir si on peut pas, on va s'organiser pour passer toute la nuit dans la prière, prière, prière. Et rentrer dans la nouvelle année dans une onction de prière, frères et sœurs. On a dit Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour nos amis, nos frères, notre frère Lionel et les frères et sœurs d'Angoulême. Ceux qui sont venus de loin, d'Autriche, de Belgique, de plusieurs endroits, nous sommes vraiment encouragés. J'ai eu mon frère Grâce de Liège qui m'a dit que l'église de Maison de Liège a loué une bus de 200, de 60 places au moins. On sent que ça bouge, frère. Et je voudrais dire aux enfants de Dieu dans le monde entier, on a presque fini, vous qui êtes venus de Bressure également, je vois, nous sommes beaucoup encouragés par votre... voilà, on est encouragés. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point nous sommes encouragés par votre présence. Et on a été beaucoup agressés, beaucoup attaqués. Mais quand on voit tout ce que Dieu fait, nos combats, on les oublie. Et on se focalise sur le Seigneur.
Et on a vraiment à cœur de bouger, comme on vous l'a dit, début janvier, hein, donc dès janvier 2015, des missions en Côte d'Ivoire, à Abidjan, parce que ça nous manque. Alléluia. On dit quoi? Alléluia. Yamoussoukro, tout ça là, on va. Une famille à Niort qui m'ont parlé cette semaine justement. Ils connaissent beaucoup de personnes qui demandent la mission en Côte d'Ivoire. Je devais en parler aujourd'hui, j'allais oublier. Voilà que le Seigneur permet qu'on en parle. Donc la Côte d'Ivoire attend déjà. Est-ce que tu sais que Dieu, pendant que tu parlais, Dieu me disait pour toi que dès l'année prochaine, dès le début là, il va t'envoyer en Guyane, en Guyana, tout ça là. Ça va être chaud. Tu vas voir des morts ressuscités. Oh, je vous dis, accorde la fidélité que tu as envers le Seigneur et la manière dont tu m'encourages dans mes combats. Dieu que je prie, il va t'amener très loin. Très loin en Yeshua. Très loin. Très loin. Dieu me dit qu'il te donne un grand pavillon avec une grande cave. Il y aura des retraites là-dedans. Là. Mm-hmm. Il te donne la Guyane, Guyana, tout ça là. Le Brésil, tout ça là. Tu vas voir ça là. Oh, alléluia, mes amis là. Alléluia. Jesus. Oh. Niort, Poitiers. Dieu te dit, à cause de ta fidélité, toute la région là-bas, là, Dieu te donne le mandat. Le mandat. Ça va s'étendre jusque là-bas. Là, partout là. Oh, alléluia. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Les frères et sœurs qui sont à Nantes, qui sont dans leur maison, qui suivent le TV de vie, Dieu va te connecter à tout ce monde-là. Lyon, partout, partout, ça va être quelque chose, frère. Vous allez. Ça va être quelque chose. Je vous dis. Ça va être quelque chose. Ça va bousculer, ça va bouger. Ah, ça va bouger. On ne peut plus vous cacher, on ne peut plus vous enfermer. Là, ça va finir. Au nom de Yeshua. Le feu arrive, le feu arrive. Le feu arrive, frère et soeur, au nom de Yeshua. La Côte d'Ivoire, frère, ça va être quelque chose. La Guyane, c'est pas fini. Dieu dit. Ça va toucher l'Afrique de l'Ouest là-bas, là, tout ça. Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, tout ça là. Le vaudou là-bas, là, vous allez voir. Les prêtres de vaudou vont amener les gris-gris comme ça. Là. Hein? Jesus Christ. Oh! Au Bénin, il y a une femme qui se présente comme Dieu. Vous, les missionnaires, vous irez jusqu'au Bénin. Vous allez dire à cette femme-là, il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. Le Mali, le Sénégal, frère, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. Ça va bouger. Ça va bouger, frère. On va attaquer la RDC. RDC, royaume de Jésus, de Christ. Royaume de Christ. Je prophétise sur la RDC, royaume de Christ, au nom de Jésus. Frère, Dieu me demande de prophétiser sur mon pays d'origine, la RDC. Je dis en tant qu'enfant de Dieu, serviteur du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, la RDC ne sera pas divisée. Je déclare cela au nom de Jésus de Nazareth. Vous saurez qu'il y a aussi des prophètes à RDC. Vous saurez qu'il y a des prophètes et des prophétesses. Dieu dit, frère, oh non. Celui qui voudra diviser ce pays, il aura affaire à mon Dieu. Je le déclare, que le monde entier l'entende.
Ce n'est pas parce que Dieu nous a établis en France qu'on a oublié le pays. Néhémie n'a pas oublié son pays d'origine, frère. Ah non, 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 non. Je déclare que l'Afrique va connaître un puissant réveil. Je le prophétise. Le Cameroun, le Togo, le Bénin, le Mali, oh, le Congo-Brazza, l'Angola, le Zimbabwe, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Botswana, oh, alléluia, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Irak, le Niger, le Nigeria. Je prie que le réveil vienne dans cette nation, là, Jésus de Nazareth. Jesus. Je prophétise sur l'Europe, ce beau continent où Dieu nous a établis. Ce continent a connu de grands hommes de Dieu. De Guillaume Farel, de John Calvin, Jean Calvin, de Luther. Ce continent a connu plusieurs réveils. Les Vaudois, je prophétise sur l'Europe. Je prophétise sur la France. Je prophétise sur le Portugal, sur l'Espagne. Je prophétise sur l'Allemagne. Je prophétise sur l'Europe. Je déclare, oh alléluia, l'Europe connaîtra le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Portugal, l'Espagne, oh, le Luxembourg, la Suède, la Finlande, oh, l'Angleterre, oh, alléluia, alléluia, Jesus. Dieu dit, les ossements desséchés européens vont entendre le message du temps. Frère, l'Europe sera touchée, visitée. Je vois des Européens se lever. Je vois des femmes européennes se lever pour le Seigneur. Je vois des hommes européens se lever pour le Seigneur. Je vois les Antilles. Je vois les îles. Ésaïe 40 parle des îles. Ésaïe 41, 42, 43. Oh, îles, écoutez la parole de Dieu. Les îles, les nations. Je vois des bateaux qui arrivent dans les îles. Je vois des avions qui arrivent, qui amènent des missionnaires. Avec des chauffards, des trompettes, qui annoncent le retour du Mashiach. Oh, alléluia, Jesus Christ, alléluia. Oh, Dieu de gloire, je prophétise sur l'Asie. Je prophétise sur l'Asie, la Chine, le Japon. Oh, alléluia. Le Cambodge, au nom de Yeshua. Je prophétise sur l'Australie, je prophétise sur Israël. Jérusalem. Il y a des juifs là-bas qui vont rencontrer la vérité, frères et sœurs. Je le déclare au nom de Yeshua. Je prophétise sur la Palestine. Les Palestiniens, beaucoup vont recevoir Yeshua comme Seigneur et Sauveur. Frères, Palestiniens et Hébreux, Juifs, sont descendants d'Abraham. Et nous qui sommes enfants d'Abraham par la foi, nous réclamons la conversion des enfants d'Abraham par biologique. Au nom de Yeshua, nous bénissons la Palestine. Nous bénissons Israël, nous bénissons le Maghreb, nous bénissons les nations, nous bénissons la France, nous bénissons les Français, nous bénissons l'Europe, nous bénissons les Amériques. Au nom de... Les prophètes sont là. Les hommes et les femmes de Dieu. Les hommes et les femmes de valeur, les messagers, les messagères, les combattants, les combattantes. Dieu m'a dit de vous dire ceci. La maladie ne va pas vous consumer parce que mon œuvre n'est pas encore accomplie. La maladie ne pourra pas vous détruire. Mon œuvre n'est pas achevée. Dieu dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous verrez la différence. Voici l'onction de Dieu. Jesus Christ. Oh! Le feu, Dieu. Le feu. Pointe noire sera allumée. Au nom de Yeshua. Allumé par le feu de Dieu. Allumé par le feu. Le feu est là. Voyez le feu.
Voilà parce que finit le feu. Le feu. Prions, levons-nous, chantons ce cantique nouveau. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Sylvain. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Oh, bah, 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 bah. Il est Dieu. Il s'appelle Jésus. Oh, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle